engagés dans la transition dans les différentes dimensions. Et je sais que certains d'entre vous estiment peut-être que oui, on l'est, mais peut-être pas assez. Et sans doute que plus largement, dans un auditoire comme celui-ci, c'est la perception qui peut s'en dégager. D'une part, dans l'enseignement de la durabilité, et les programmes ont évolué, il y a une journée entière qui a été faite avec tous les acteurs des programmes qui dessinent les programmes, l'ensemble des enseignants aussi qui a été fait encore au début de cette année. Donc, enseigner la durabilité dans tous les programmes de l'université. Deuxième élément, c'est soutenir la recherche pour des leviers de transition au sein de l'université. C'est le deuxième volet. L'université, c'est l'enseignement, c'est la recherche également, avec la difficulté qu'il y a une grande tradition dans la liberté de chercher et d'assez peu orienter les financements de recherche. C'est le cas, par exemple, au sein du Fonds national de la recherche scientifique, qui a d'ailleurs comme motto la liberté de chercher. La liberté de chercher, c'est de ne pas dire nécessairement vous devez chercher sur ces sujets-là. Et donc, on a sur tous les volets, aussi bien pour l'enseignement que pour la recherche, des difficultés, bien sûr, de mettre en place ces dimensions-là, mais qui sont déjà très présentes et amplifiées ces dernières années. Et puis aussi, bien sûr, d'avoir une université qui évolue, qui a des campus qui évoluent, qui évolue dans sa manière de l'organiser, la mobilité, la manière de se nourrir, la manière de se chauffer, la manière de construire, la manière d'isoler, de consommer l'électricité ou d'autres sources d'énergie. Et là, ce sont des évolutions qui sont, pour certains sans doute, assez avancées, et vous pouvez le voir par le biais du rapport qui a été produit à cette occasion-ci, voir toutes les avancées qui ont été réalisées. Et on veut aller plus loin, on veut pouvoir aller plus loin. Et pour aller plus loin, votre action, votre présence ici. Et votre présence ici à une occasion comme celle-ci, mais j'aimerais, à l'occasion de cette journée de transition, dire aussi combien ces éléments-là, ces événements-là, sont des éléments qui font vraiment évoluer l'université. Il y a de ça 4 ans, une élection a eu lieu au sein de l'université, la transition a été un sujet majeur, la transition s'est transcrite dans un programme, le programme s'est transcrit dans des désignations. Une prorectrice transition et société, nous étions la première université à avoir une prorectrice, une vice-rectrice transition et société, c'est le résultat aussi d'une mobilisation telle que celle-ci. Et une mobilisation telle que celle-ci, votre présence à une soirée comme celle-ci, y compris par les membres du conseil rectoral qui en sont le témoin, sont des éléments qui font aussi évoluer l'université, qui permettent d'aller plus loin, à la fois sur l'enseignement, comme je l'ai dit, l'enseignement de la durabilité, soutenir les recherches, levier de transition, et faire évoluer nos campus vers des campus toujours plus durables. Et nous savons combien des progrès importants sont encore nécessaires sur ce volet-là. C'est donc l'université qui s'engage, une université aussi qui construit, je l'ai dit. Le rapport, c'est un rapport sur tout ce qui a été réalisé. Il est téléchargeable, il est disponible sur le web dès maintenant. C'est un rapport assez complet, une centaine de pages, qui était un travail aussi collectif par une série de personnes ici au sein de la salle, et qui est le rapport de ce qui a été réalisé du plan transition. Le plan transition, il a été conçu avec toute la communauté, avec les étudiants, avec le personnel administratif, avec les chercheurs, avec les professeurs administratifs et techniques, et c'est son plan transition qui se trouve progressivement réalisé, qui va nous amener jusqu'en 2025, il en faudra un autre après, qui va nous amener jusqu'en 2025, et qui a toute une série d'actions sur ces différents volets, 91 actions. Et nous faisons un rapport régulier, ou plutôt la prorectrice transition et société fait un rapport régulier, elle vient de le faire récemment au sein du conseil académique, qui est le parlement de l'université, pour faire état un peu de ces 91 actions sur lesquelles l'université s'était entendue, pour voir qu'est-ce qui a déjà été fait. Et de ces 91 actions, 75% ont soit été réalisées ou sont en cours de réalisation. Alors ce n'est pas la totalité, et il y a plus de la moitié de ces 75% qui sont en cours de réalisation, qui ne sont pas encore réalisés, mais ça permet de voir quelles sont les avancées et de manière annuelle de voir où on en est dans la progression de la réalisation de ce plan. Troisième volet, s'engager, construire et puis réfléchir. Et cette soirée-ci, c'est aussi ça, c'est réfléchir, c'est aider à repenser nos récits et repenser nos possibles. On sait combien c'est nécessaire et combien on sait aussi combien cette histoire que nous devons construire collectivement, ce devenir que nous devons nous-mêmes inventer, le rôle essentiel de l'université dans cette dimension-là, et d'éclairage et d'animation aussi, de témoignage au sein de la société tout entière, combien ce récit est nécessaire, et c'est se projeter dans cet avenir que aussi cette soirée, ce à quoi cette soirée est dédiée, en faisant intervenir non pas, comme on pourrait l'imaginer, uniquement des ingénieurs, non pas uniquement des économistes, non pas, mais aussi des anthropologues, des spécialistes de la littérature, des ingénieurs, des juristes, je l'ai dit. Donc une série d'acteurs qui peuvent éclairer et nous aider à construire
ce récit collectif que nous devons tous porter collectivement pour faire face aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je pense que ça va être une très belle soirée. J'ai vu combien elle a été bien préparée. Il y en a une série ici au premier plan qui vont interagir avec nous. Ce sera une soirée qui sera marquée aussi de moments musicaux, avec en interaction avec l'auditoire. Je voudrais déjà maintenant remercier très vivement tous ceux qui sont associés à la préparation de cette soirée. Aussi, l'animateur, bien sûr, Arnaud Ressen, pour venir, à qui je vais céder la place dans un instant. Mais avant tout, j'aimerais, et je vous proposerai, parce que sans elle, rien de tout ceci n'aurait été possible, j'ai une reconnaissance éternelle à celle que j'ai sollicitée il y a de ça quelques années, qui ne savait peut-être pas complètement ce dans quoi elle mettait le doigt quand elle a accepté de prendre le rôle de prorectrice transition société. Elle a fait un travail déjà jusqu'à aujourd'hui absolument remarquable. Quand vous voyez le rapport qui est remis aujourd'hui, quand vous voyez les événements qui ont été produits, les avancées qui ont été faites, l'évolution dans les esprits, dans la manière avec laquelle beaucoup d'acteurs au sein de l'université aussi aujourd'hui conçoivent la situation et comprennent la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, bien sûr, j'ai nommé Marthe Nissen et je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour la remercier. Alors, est-ce qu'on m'entend mieux maintenant? Super, très bien. Est-ce que vous êtes bien installés? Oui, tant mieux, parce qu'on est là pour un petit moment. Hein. On a un programme ici. J'ai reçu de la part des organisateurs une feuille de route minutée à la minute près, un truc, un timing, on dirait un horaire de la SNCB. Enfin, je ne sais pas si la comparaison est bien choisie, finalement. Et on est déjà en retard. Donc, voilà, il faut s'attendre. Oui, peut-être que du coup, la comparaison est mieux choisie. Mais on va s'installer ici pour un petit moment. Alors, on sait, et vous le savez tous, hein, qu'on vit des moments un peu compliqués, des moments de crise multiple. On parle beaucoup de la crise énergétique pour le moment. On connaît la crise écologique. On sait aussi qu'il y a des vraies questions sur notre vivre ensemble. Et pourtant, je pense que ce qui va vous être proposé ce soir est une soirée assez enthousiasmante, en fait, parce qu'on va à la fois essayer de comprendre, et je pense que c'est toujours utile et intéressant de comprendre ce qui nous arrive, mais aussi essayer de se projeter, d'ouvrir des possibles, de se nourrir d'utopie. On va entendre du dialogue ce soir entre des académiques qui travaillent sur ces questions, des étudiants qui ont préparé des récits qu'ils vont nous proposer aussi ce soir. Et donc, le but de cette soirée, eh bien, c'est ça, c'est de se parler, de s'écouter, de se projeter aussi. Alors, ça m'intéresse quand même de savoir, puisque vous êtes très très nombreux ce soir, et que j'ai l'impression que tous les âges sont un peu représentés, qui sont les étudiants parmi vous? Est-ce qu'ils peuvent lever la main pour voir s'ils sont majoritaires, hein? Majoritaires peut-être pas, mais très nombreux, merci, hein, en tout cas à vous d'être là. On peut peut-être faire connaissance, moi ça m'intéresserait de connaître vos prénoms, en fait. Donc je compte jusqu'à 3, et à 3, vous me dites tous votre prénom, comme ça, ça va? Comme ça, on se met à l'aise, on s'installe, on se réveille. 1, 2, 3. Très joli prénom. Enchanté, moi, c'est Arnaud. Je vais vous accompagner, je vais surtout introduire les différents interlocutrices et interlocuteurs que vous allez retrouver tout au long de cette soirée. J'ai juste encore envie de vous dire un tout petit truc. Cet après-midi, j'ai rencontré, dans le cadre du podcast que je réalise chaque semaine pour la RTBF, un professeur de l'UC Louvain, ici, qui enseigne en philosophie, qui s'appelle Marc Cugnadi, et on a parlé avec lui beaucoup d'individualisme et des questions que ça posait, hein, la crainte de plus en plus de voir des individus qui seraient, au fil du temps, de plus en plus racrapotés, tous un peu dans leur coin, derrière leurs écrans, plutôt conduits par leur cerveau limbique, et la difficulté peut-être encore de faire société, de faire vivre nos démocraties dans un contexte comme celui-là, avec l'idée que ces individus seraient de plus en plus incapables d'une forme de transcendance, de développer un sens de l'intérêt général. Et quand je vois qu'un soir de semaine, comme ça, un mercredi 15 novembre, 500 personnes se rassemblent dans un auditoire pour parler, s'écouter et envisager ensemble la transition, ben je me dis que la situation n'est peut-être pas
aussi inéluctablement sombre que ce que peuvent imaginer certains. Donc voilà, on va se lancer. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Et je vous demande d'accueillir pour commencer une première invitée, c'est Emmanuelle Piccoli, qui va aller s'installer au pupitre là. Elle est anthropologue, chercheuse et enseignante en études du développement. Pour ses recherches, je pense qu'elle va souvent au Pérou et qu'on va un petit peu en reparler dans quelques instants. Je vous donne le titre d'un de ses cours qui me parlait beaucoup, Anthropocène, transition et résilience. Emmanuelle Piccoli, c'est à vous. Merci. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mais je voudrais dans mon intervention revenir sur le grand récit de progrès, de développement, de croissance qui a guidé et qui guide encore la société occidentale moderne et plus globalement le système économique et politique. Je voudrais ensuite parler de la manière dont on peut considérer qu'il a transformé la Terre et comment des scientifiques ont essayé de comprendre cette transformation. Et enfin, je voudrais présenter quelques pistes qui me semblent utiles pour la construction de nouveaux récits. Avant de proposer un récit pour le futur, il faut d'abord s'arrêter et revenir en arrière. On n'y échappe pas. Il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là, sans quoi, évidemment, on court le risque de reproduire la même chose. Le récit occidental puise ses racines dans un christianisme où l'homme est placé au-dessus des autres êtres, d'un cartésianisme qui sépare l'homme doté de raison d'une nature inerte sans âme, ça conduit à un idéal très puissant de progrès, basé sur l'idée de développement de la raison et du contrôle de cette dite nature. Avec le capitalisme, avec la révolution industrielle, et puis, plus tard, avec les Trente Glorieuses, cet idéal a nourri la fiction d'un développement universel basé sur un principe de croissance infinie. Et ce récit, il est devenu hégémonique. Il a construit dans les esprits l'idée d'une flèche qui va de bas en haut et de gauche à droite et qui montre un horizon à suivre, celui du toujours plus et de s'éloigner de plus en plus de la condition finalement terrestre de nos limites, comme dit aussi Bruno Latour. Ce récit révèle aujourd'hui ses limites. L'humain ne peut pas toujours vouloir plus. Animal terrestre, il dépend de la terre. Nous respirons par les forêts et les océans. Nous dépendons de la photosynthèse pour nous nourrir. Notre vie quotidienne dépend de la composition de l'atmosphère. À chaque rapport du GIEC sur la biodiversité, à chaque rapport de l'IPBES, du GIEC sur le climat et de l'IPBES sur la biodiversité, à chaque COP, le constat est plus criant. Oublier notre caractère terrestre, nos interdépendances, ne mène pas à un mieux-être, mais à d'immenses souffrances tant pour les humains que les écosystèmes. Une série de scientifiques ont voulu repenser cette histoire en tentant de comprendre plus précisément quand et ce qui a basculé. Ils ont créé des concepts pour penser conjointement nature et société, et je voudrais m'arrêter un moment sur certains d'entre eux. Il y a une trentaine d'années, des géologues et des biologistes proposent de considérer que nous avons quitté une époque qui date d'il y a à peu près 12 000 ans, l'Holocène, pour entrer dans l'Anthropocène, l'ère de l'humain, tant l'humain a transformé la société. Par ce concept, ils aimaient vraiment avoir à brouiller les pistes entre ces deux dimensions et à voir comment l'un impacte l'autre. Mais ce terme d'anthropocène, il met tous les humains dans le même panier. Or, tous ne sont pas autant responsables. Tous n'ont pas adhéré à ce récit de croissance, à ce récit de progrès. Et tous n'en ont pas non plus profité et produit les dégâts environnementaux qui allaient avec. Certains, Andreas Malm, Jason Moore, préfèrent alors substituer au terme anthropocène celui de capitalocène, pour mieux parler de la responsabilité d'un système économique qui se base sur la croissance de la production pour fonctionner. Un système qui veut toujours plus, plus vite. Un système qui utilise massivement les énergies fossiles. Le capitalocène, alors, parle d'un mode de production à questionner, et pas uniquement par rapport à l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, mais aussi, plus fondamentalement, dans sa relation à un environnement, ce qui sous-tend en fait tout modèle productiviste. Et en remontant encore plus loin dans le temps, d'autres auteurs pensent comme point de basculement l'invention de la plantation coloniale. Avec le terme « plantationocène », des auteurs comme Malcolm Ferdinand, Donna Haraway, Anna Tsing rappellent que d'autres énergies préalables aux énergies fossiles ont fait fonctionner le système
et ont permis l'accumulation, l'énergie du travail esclave au travers de la traite atlantique. La plantation, c'est la transformation massive en amont de l'industrialisation des écosystèmes, remplacés tous par des clones de la même plante, la canne à sucre notamment. Et la transformation en marchandises d'humains, dont on fait, qui abandonnent de manière forcée leurs histoires pour devenir pure main-d'œuvre. Ce système a soutenu le développement du capitalisme depuis les colonies. Le plantationocène parle clairement d'une double violence envers les écosystèmes et envers certaines catégories d'humains. Le concept amène à comprendre que c'est le dépassement des relations néocoloniales et coloniales, que ce dépassement est intrinsèquement lié à la question environnementale et vice-versa. Aujourd'hui, cette question de la justice environnementale est d'ailleurs un des points clés et difficiles de la COP27. Enfin, un autre concept, celui d'androcène, l'ère de la domination masculine, ajoute une dimension de genre à la compréhension de ce qui se passe. Il vient lier la question de la domination patriarcale à celle de la domination sur l'environnement et relie encore des formes de violence entre elles. L'androcène offre aussi des pistes de sortie. Le care, le soin, souvent invisibilisés et dévalorisés en même temps que les femmes et associés à elles, constitue une manière de sortir d'un récit et d'un système destructeur en retrouvant une part du monde nié. Ainsi, ces termes anthropocène, capitalocène, plantationocène, androcène, ils permettent de mieux comprendre les multiples dimensions de notre histoire humaine et naturelle, une histoire économique, mais également coloniale, également genrée. Cela rappelle que traiter des questions uniquement techniques ne suffira pas. Ces analyses très brièvement esquissées ici sont, à mon sens, des préalables nécessaires pour mieux comprendre les leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer et que nous pouvons activer dans les temps difficiles qui nous attendent. À partir de là, je voudrais maintenant présenter 4 pistes qui me semblent utiles pour favoriser l'émergence de nouveaux récits. Ces réflexions, elles s'ancrent prioritairement dans ma pratique d'enseignante universitaire. Ce ne sont pas du tout des aboutissements, mais des balises, des positionnements, forcément incomplets et imparfaits. La première piste, à mon sens, serait de veiller à raconter toujours des histoires élargies et de ressortir d'un récit simplificateur. D'une part, de s'arracher cette flèche modernisatrice de la tête. Ensuite, de cesser de penser une histoire humaine séparée des autres qu'humains, amalgamée dans le terme « nature ». Cela signifie, par exemple, rappeler le rôle des plantes dans la construction des relations économiques, le rôle des bactéries, des champignons et des insectes dans la rentabilité agricole et dans la question de la faim, de rappeler qu'aucune planification urbaine n'a de sens sans prendre en compte le CO2 et que la santé humaine est liée à la santé animale. Cela participe à créer des histoires plus complètes, plus complexes, plus réelles, à mieux comprendre les enjeux et à construire la résilience. Cela lutte contre une ignorance entretenue par des séparations obsolètes, car les séparations disciplinaires elles-mêmes participent à créer des récits problématiques. Il est temps de les dépasser, de ne plus accepter ces frontières, de brouiller les matières, de les hybrider, de les métisser. La deuxième piste est de réapprendre l'attention au vivant et la valorisation du soin envers celui-ci, non comme quelque chose de second, au mieux de mignon, au pire de risible, mais comme quelque chose de premier. L'attachement à un bois, à des arbres, à un animal devrait être audible et avoir une place majeure dans les débats. Valoriser sérieusement nos attachements à nos territoires de vie, le soin aux autres et à la terre, permet de penser et de mettre le soin avant la production et la croissance. Et si ce modèle de croissance ne tient plus, cela rappelle au moins ce à quoi nous tenons. Dans l'enseignement universitaire, cela signifie, je pense, tout d'abord ouvrir nos modes d'apprentissage en sortant du bloc de béton dont les autres humains sont exclus. Ensuite, laisser la place aux émotions et à la sensibilité, parce qu'on sait aussi que c'est le premier pas pour trouver sa place et entrer en action. Et laisser une place à la créativité, à d'autres formes d'expression. La troisième piste
c'est de pluraliser les savoirs. Le récit du progrès humain, de la croissance infinie, du développement linéaire, est devenu majoritaire, mais il existe des histoires différentes qui ont persisté. Dans les cultures animistes, par exemple, l'interdépendance est une évidence. On négocie sans cesse avec les autres vivants, avec les montagnes, avec les phénomènes météorologiques. On a une claire conscience de faire partie d'un même monde. Dans les Andes, avant de se lancer dans une activité agricole, avant d'extraire dans une carrière, il faut faire un don à la terre, à la montagne, s'adresser à elle respectueusement. Un tel comportement, une telle pratique place une limite et cela donne la conscience qu'un dépassement de celle-ci provoquerait des conséquences graves. La colère de la montagne, dans un éboulement par exemple. Une vision extractiviste où seule la croissance de l'activité a du sens ne prend pas en compte ce lien. Mais les conséquences environnementales, elles, restent. Ces autres pensées, malgré un langage qui peut dérouter, elles ont finalement souvent aussi plus réaliste que la perspective occidentale qui sépare strictement homme et nature, la perspective traditionnelle. Dans l'enseignement, pluraliser les savoirs veut dire donner une place à des connaissances telles que celles-là et les traiter avec respect et attention, les analyser bien sûr, mais les traiter avec respect et attention pour ce qu'elles veulent dire. Il existe donc de multiples sources pour d'autres histoires et il est urgent de les raconter. Pour donner à comprendre ces interdépendances, pour briser les récits de progrès linéaires. Mais cela prend du temps, le temps de la déconstruction, le temps de la reconstruction et de la créativité. Ce qui m'amène à ma quatrième piste, la décroissance. Le récit de développement dans sa version néolibérale a radicalisé les attentes en termes de production et favorisé la gestion par les chiffres, et des chiffres dont on attend qu'ils soient en croissance, dans le sens de cette vieille flèche. Actuellement, on est face à une épidémie de burn-out, de personnes broyées au quotidien, tout comme la planète, par un récit global tel que celui-là, de productivité, de performance. Pour sauver notre peau et celle de la Terre, il faudra accepter de penser autrement qu'en termes de croissance et de cesser de vouloir en faire toujours plus pour oser en faire moins. Ne pas suivre la flèche qui nous a amenés dans le mur, mais oser collectivement la décroissance et le temps de la pensée créative. Pour faire radicalement autre chose, pour soutenir les émergences, les nouveaux possibles, pour penser ensemble des manières de vivre dans un monde difficile. Ce ralentissement face à l'accélération est vital. C'est là un défi global, en quelque sorte, dans beaucoup de sphères de la société, dans toutes probablement. Et cela passe aussi par l'université. Pour nous, cela veut dire prendre distance de la gestion par les chiffres et se donner le temps de penser, d'expérimenter. Et même si cela a des conséquences sur un classement international quantitatif, quand on prend conscience de l'état de la planète, rien ne semble plus urgent et nécessaire, comme communauté, que l'accompagnement des émergences et le fait de prendre du temps pour cela. Ce défi est grand, mais aussi encourageant et stimulant. Déconstruire et désapprendre le récit linéaire et en reconstruire, en réapprendre de nouveau, en créer d'autres encore, pluriels, vivants. Cela donne un pouvoir, une possibilité, cela met en mouvement. Et c'est un beau défi, je trouve, pour nous. Voilà. Merci de votre attention à tous. Merci Emmanuel Piccoli, qu'on retrouvera d'ailleurs dans quelques instants puisqu'on aura l'occasion de prolonger un petit peu dans un moment d'échange. Mais avant cela, on va vous proposer, et ça va être le cas au fil de cette soirée, de rythmer justement les interventions par d'autres mots, des mots d'étudiants qu'on va accueillir maintenant, en l'occurrence Raphaël du Côte Oasis et Félix du Côte Altéré Côte, que je
J'accueille ici et je vous propose de vous installer au micro. Alors un petit mot, le temps qu'il s'installe, le code Oasis, donc c'est un code à projet ici à Louvain-la-Neuve qui prône la simplicité volontaire, l'idée de ralentir, notamment de quelque part créer aussi parfois de nouveaux lieux, des écolieux, etc. Tout ça est mis à l'œuvre par ce code Oasis et par les étudiants. Et puis l'Alterécote, lui, travaille à l'économie et à l'entrepreneuriat social, notamment avec la promotion de la monnaie locale ici à Louvain-la-Neuve, des idées de gouvernance partagée, etc. Et ils ont imaginé, tous les deux, une forme de dialogue que l'on va découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, et on va le faire chaque fois, histoire d'ouvrir un petit peu notre imaginaire, je vous propose d'accueillir Simon de l'Orchestra Côte, c'est ça, Simon, je ne me trompe pas, qui va prendre sa guitare et nous proposer quelques notes. Juste après quoi, on va écouter Raphaël et Félix, ou plutôt Pablo et Walter. Hello Pablo, tu vas bien ? Salut Walter, ça va nickel. Dis, pour le récit imaginaire de 2050 qu'on doit écrire pour la conférence, tu voudrais pas qu'on fasse un flash info, genre les gros titres d'un journal télévisé ? Ouais, trop bonne idée, tu penses à quoi comme titre ? Je sais pas, par exemple Roberto Martinez qui a annoncé les Diables Rouges qui participeront à la prochaine Coupe du Monde 2050 sur la Lune. Bon, c'est pas si loin de la réalité au final. Moi je pense à Elon Musk qui continue sa collection de réseaux sociaux. Il est sur le point de racheter Woof, qui fera sa 78e acquisition dans le monde de la tech. J'avoue que lui, il n'a vraiment aucune limite. On serait peut-être aussi à notre 16e ministre de l'écologie, après 675 jours de pourparlers. On appelle ça le compromis à la belge. On peut parler de la COP55 à Dubaï aussi, comme quoi le gouvernement dubaïote a inauguré une tour de 2000 mètres pour l'occasion. Déjà que nos chers voisins hollandais ont la tête sous l'eau, car l'Union européenne a officiellement annoncé que les Pays-Bas étaient devenus un archipel, suite à l'inondation du dernier lopin de terre qui les reliait au continent. C'est dommage, moi j'aimais bien leur tulipe. J'ai un dernier gros titre. Total qui annonce avoir découvert un nouveau gisement de pétrole à Central Park et indique que son exploitation pourrait faire baisser le prix de 6 euros du pétrole. Mais plus sérieusement, Pablo, comment tu verrais les thématiques de l'Oasis s'appliquer à un monde en 2050 ? C'est marrant, on en a réfléchi tous ensemble il y a quelques jours. Vas-y, balance. Nous, à l'Oasis, on prône un retour à l'essentiel à plusieurs niveaux. Ah ouais, lesquels ? Bah d'abord, au niveau de l'habitat. On rêve d'une société plus soudée et une démocratisation de la vie en communauté, plutôt que l'individualisme actuel. On pense à une multiplication des écolieux, et on aimerait aussi retrouver beaucoup plus d'habitats légers. Il y aurait aussi une mise en commun des biens, plus de troc, de partage, de potager partagé par exemple. Mais comment ce serait gérable en travaillant parfois 40 heures par semaine ? Justement, la solution qu'on aimerait voir, c'est la réduction du temps de travail. Par exemple, une généralisation du mi-temps, ce qui permettrait d'avoir plus de temps libre pour aider aux différents âges de la communauté, exercer une activité artistique ou encore avoir plus d'opportunités pour faire du bénévolat, donc à s'engager pour le bien commun au final. Et au niveau plus global aussi, on pourrait imaginer de remplacer à terme, la notion du PIB par le PIB, le bonheur intérieur brut, qui permettrait de cerner la prospérité d'une communauté sous un don inédit, et surtout loin de la course au profit. J'adore l'idée. Si je comprends bien, une réduction du temps de travail laissera alors plus de temps pour les autres, mais aussi pour soi. Tout à fait. J'entends ce que tu veux dire. Mais au fond, facile de critiquer. Oh, pardon. Merci bien. Exactement.
On trouverait un nombre d'heures plus restreint en ménage un temps considérable pour notre épanouissement, qui est fondamental, malheureusement, qui est fondamentalement négligé dans nos sociétés. En prenant notre santé mentale en considération, on s'ancre dans ce qu'on fait et on se rend compte de facto plus disponible pour notre entourage. Ainsi, aller chez le psy devrait sembler aussi normal qu'une visite chez le dentiste. Mais il existe des tas de moyens de prendre soin de soi, comme à la méditation. Cette pratique a des vertus parfois insoupçonnées. Voilà, Gobelin, c'est comme ça qu'on verrait l'application de nos thématiques pour le monde de 2050. Imaginez non seulement un monde selon les humains qui y vivent, et pas seulement l'enrichissement potentiel, mais aussi une reconnexion à la nature, selon une vision moins anthropocentrée. Le tout pour recréer du lien avec soi, avec les autres, et avec le monde qui nous entoure. Et toi, Walter ? Avant tout, à l'Alter Ecote, on essaie de repenser l'économie actuelle vers une économie alternative. Il y a un problème avec le fonctionnement de l'économie actuelle ? Il y a quand même des facultés entières qui réfléchissent sur ça. On est plutôt calés là-dedans, non ? Non, mais Pablo, attends. Depuis les années 70, on sait que notre modèle est problématique. Proposer une croissance infinie dans un monde fini, c'est incompatible. C'est vrai que c'est bizarre. Mais il y a bien des choses qui ont dû changer depuis le temps. C'était il y a 50 ans. Bah écoute, à part quelques initiatives locales, comme les monnaies citoyennes, les coopératives et le circuit court, globalement, les gouvernements sont passés, le système, lui, il est resté. Oui, d'accord, j'entends ce que tu veux dire, mais dans le fond, facile de critiquer. Mais t'as quoi à proposer ? Il y a des tas d'initiatives qui existent qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais je vais te parler d'un modèle qui a l'avantage de la simplicité et qui est déjà appliqué. Ça s'appelle l'économie du donut. Pourquoi tu me parles de donuts ? Il est 20h30, c'est pas trop le moment. Mais non, Pablo, écoute. L'économie du donut tente de réconcilier deux limites oubliées dans notre modèle néolibéral actuel. Les limites sociétales et les limites environnementales. C'est-à-dire, prends soin des humains tout en prenant soin de notre planète. La planète ? Tu me prends pour un Avenger ? Écoute, on n'a pas besoin d'Avengers, on a besoin d'économistes. Et encore plus rare, d'économistes qui pensent différemment. Comme je t'ai dit, l'économie du donut, c'est d'abord mettre en place des politiques qui prennent en compte nos limites planétaires. Comme par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, le cycle de l'azote et du phosphore, l'acidification des océans. Mais comme tu t'en doutes, pour l'instant, toutes ces limites ne sont pas respectées. Pour y arriver, on pourrait par exemple supprimer tous les moyens de transport et énergie fossile pour demain. Mais ce serait complètement oublier des pans entiers de la société qui en dépendent pour leur travail, leur famille ou pour aller à leur examen par exemple. C'est pour ça que l'économie du donut prend aussi en considération les besoins de base des sociétés humaines. L'éducation, l'accès à la nourriture ou à l'eau, l'emploi, les soins de santé et tout ça sans oublier personne. J'adore le concept. Mais tout ça d'ici 2050, ça se donnerait comment ? Ça donnerait des politiques publiques qui s'axeront moins sur le profit ou la croissance et plus sur les respects humains et environnementaux. Ce changement de paradigme permettra de changer d'objectif pour nos sociétés. On quitte une optique centrée sur l'accroissement à tout prix du capital pour se centrer sur les besoins de l'humanité et de la biosphère. Au journal, en 2050, on ne parlerait plus de puissance économique, mais par exemple, cette année, un rapprochement de 4% de nos limites environnementales fait de la Belgique la 7e puissance éco-sociale mondiale. Bah écoute, je pense qu'on a notre imaginaire pour la conférence de la semaine prochaine. Ouais, mais puisqu'on a commencé avec un flash info pour 2050, il faut bien qu'on termine avec une météo. Ouais, t'as raison. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. C'est la fin de ce journal de 20h. Tout de suite, la météo de ce 24 décembre. Ce 24 décembre sera partiellement nuageux suite à l'influence d'un anticyclone venant de l'ouest. Il fera 34 degrés en journée, de quoi passer le réveillon autour d'un bon barbecue. Bonne soirée. Tout de suite, le film documentaire « Demain, c'est trop tard », réalisé par Cyril Dion.
Merci à vous deux, merci à Simon. On va poursuivre en accueillant une quatrième invitée déjà donc au micro. Mais avant de vous la présenter, je voulais juste souligner un élément pointé par le recteur. Les économies d'énergie, déjà. Le recteur Vincent Blondel tout à l'heure, qui nous parlait de l'enjeu de la transversalité. C'est vrai que pour une soirée comme ça consacrée à la transition, on pourrait se dire, tiens, on va avoir un spécialiste en climatologie, peut-être un spécialiste en ce qu'on appelle l'environnement, même si on pourrait discuter de cette notion d'environnement, et puis quelqu'un sur l'énergie, par exemple. Ben non, ici, ce soir, vous avez entendu d'abord une anthropologue, et là, maintenant, on va accueillir une spécialiste de littérature. C'est Véronique Bragard. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre. Je ne sais pas où vous voulez vous installer. Professeur de littérature anglaise ici donc à l'UC Louvain. Spécialiste, si j'ai bien compris, notamment même de bandes dessinées anglaises sur lesquelles vous travaillez, avec des cours qui portent notamment sur les notions d'utopie, de dystopie, de récit de cabane aussi. Et ça, vous allez nous en parler ce soir. Je vous demande d'accueillir donc Véronique Bragard. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous parler, essayer de me mettre quelques limites pour vous parler en fait des récits qui pourraient nous inspirer pour nous mettre des limites. Alors des récits très littéraires, puisque c'est de là que je viens. Et avant de parler de deux pistes, d'abord les utopies et puis les récits de cabane, je voudrais faire une petite parenthèse. D'abord le fait que depuis quelques siècles, il me semble qu'on n'a plus tellement de récits de la limite. On avait des récits de limite avec les mythes, avec les religions, avec la philosophie, mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans l'illimité. Et il me semble important de retrouver des textes qui nous mettent, qui nous rappellent une temporalité humaine et des limites planétaires. La deuxième remarque, c'est que le XXe siècle, c'est un siècle de beaucoup d'introspection, de traumatisme en littérature, de jeu, d'individualisme, et d'émancipation aussi, si on pense au prix Nobel à Annie Ernaux, c'est vraiment l'émancipation par rapport à la classe sociale, par rapport au patriarcat, ce sont des récits nécessaires, et j'espère qu'ils vont évidemment continuer. Mais parfois, il y a aussi ces récits de liberté où on ne voit plus très bien où on va, et qui manque d'obligation, de collectivité. Alors, je vais tout de suite vous amener une première piste, qui est la piste des utopies, avec deux utopies un petit peu vieilles, je sais, c'est peut-être lié à mon âge, mais elles datent de donc Huxley, Island, c'était 62, et puis Ecotopia, c'est 1975. Ce sont des textes très inspirants. Je n'ai pas le temps de vous décrire exactement tout ce qui s'y passe, mais vous imaginez un peu peace and love, la nature, le partage, un petit peu de drogue aussi, un peu de sexe aussi, un peu beaucoup de solidarité. Mais ce que je voulais mettre en exergue, c'est que si on s'y sent bien dans ces utopies, quand même, bon, on voit jamais tout dans une utopie, hein, on voit qu'une version des choses, eh bien, il y a toute une structure qui met la limite à la manière dont on vit. Donc on vit avec moins dans ces deux utopies, beaucoup moins. Il y a par exemple plus d'héritage en Ecotopia, c'est supprimé. Chez Huxley, eh bien, on ne peut pas gagner 4 ou 5 fois plus qu'un salaire moyen. C'est une loi qui est imposée. Alors, une limite que j'aime beaucoup, enfin une obligation plutôt, c'est que dans Ecotopia, eh bien, on doit travailler pendant un an au champ. C'est le travail agricole. Et de l'autre côté, chez Island, et ça, c'était déjà le cas en fait chez Thomas More, Utopia, on avait cette obligation de connaître la vie agricole. Mais dans Huxley, eh bien, même les académiques, ils doivent bêcher 2 heures par jour. Voilà. Voilà quelques limites que nous mettent ces utopies et je voulais les mettre en avant. On n'a pas de monde plus durable et plus équitable que si on se met des limites et des obligations. Le deuxième temps d'inspiration, alors évidemment ici c'est vraiment des inspirations personnelles, hein, c'est ce récit de la cabane. Alors le petit essai que je vous invite à lire de Marielle Massé, Nos cabanes,
considère la cabane comme la métaphore en fait d'une façon d'habiter le monde qui est beaucoup plus sobre. Vous avez, j'imagine, tous fait des cabanes, peut-être au camp scout, mais aussi quand vous étiez petit avec des cartons. Non, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs de cabanes. Il y a aussi toutes les ZAD, qui sont des lieux de résistance. La première photo du PowerPoint était la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Je crois que les côtes sont aussi des formes de cabanes, parce que... On les reconstitue, on les module chaque année, non, je ne sais pas, on les retravaille, on les aménage. Donc la cabane, c'est cette métaphore d'habiter le monde de manière plus simple, plus éphémère, plus ouverte sur le monde aussi. On peut peut-être prendre la slide après, parce qu'il y a quelques citations. C'est l'idée de recréer les conditions d'une perception élargie. Quand on est dans une cabane, eh bien on entend le vent, on sent... Donc on peut y laisser entrer le non-humain, les pollinisateurs et tout ce qui est autour de nous, les 100 millions d'espèces avec lesquelles nous cohabitons. Les récits des cabanes, ça veut pas dire qu'il faut prendre vos planches et vos clous, enfin pas tout de suite peut-être, et qu'il ne faut pas non plus voyager en Suède dans une petite cabane de luxe pour apprendre à se laver à l'eau froide. C'est plutôt lire des textes qui sont aussi autant de poésie, autant de beauté, de contemplation. Et c'est après, j'ai encore fait une slide avec plein de textes qui m'inspirent, qui sont ces récits des cabanes, qui sont des textes de la marche aussi, du camping, voilà, qui nous invitent à ralentir, à vivre avec moins, à voir de quoi on peut se passer. Et à quoi on peut renoncer. Le premier, je crois, le plus important, c'était Thoreau Walden, 1852. Cet écrivain qui avait carrément construit sa propre cabane de ses mains et il y avait habité pendant 2 ans pour essayer de comprendre ses propres besoins. Et il a écrit sur ces questions et il a été suivi, évidemment, de toute une génération américaine d'une école de nature writing qui aujourd'hui a ses échos dans la littérature québécoise, mais aussi si vous lisez par exemple du français, René Frémy, eh bien ça termine dans une cabane en Provence. Vous avez des récits de cabanes dans le Morvan maintenant. Donc on a tout un imaginaire de cette cabane qui est aussi le lieu où on va se réfugier s'il y a une catastrophe. Il y a beaucoup de ces récits qui sont en partie des récits dystopiques. Mais je voulais juste terminer en parlant... Ah, mais c'est marrant, il manque un morceau. Ah si, voilà. Les dangers des récits des cabanes. Parce qu'évidemment, le danger, c'est de s'y mettre dans un refuge, de retrouver son petit chez-soi, d'être à l'abri. Ce que je voulais vous inviter à faire, c'est de lire ces textes qui nous chancent profondément, parce qu'ils nous permettent de contempler à la fois le monde qu'on n'est plus habitué à voir, mais aussi le langage de la poésie, qui est autant de contemplation, qui nous permet de nous reconnecter. Mais le danger serait de ne pas être déstabilisé, de ne pas être dans cette profondeur. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des cabanes qui sont choisies, et puis qu'il y a des cabanes qui sont subies, que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Maintenant, le grand défi, je crois, c'est de combiner ces utopies et ces récits des cabanes. Et en fait, Thoreau l'avait vraiment très bien fait, parce que quand il a habité dans sa cabane dans le Massachusetts, eh bien, il n'avait pas seulement mis une limite à sa vie, à son quotidien, il avait aussi aidé des esclaves à s'échapper, et il avait aussi refusé de payer ses taxes, parce que c'était le premier acte de désobéissance civile. Donc il était en même temps très politique dans sa cabane, et je crois que c'est peut-être un défi que nous pouvons avoir. Merci beaucoup. Véronique
Bragard, merci, merci à vous. Vous pouvez rester avec nous. On peut peut-être d'ailleurs inviter Emmanuel Piccoli à venir se remettre près de la table et à prendre un micro. Avant ça, et avant peut-être de poser quelques questions, vous aurez remarqué, peut-être en arrivant, en entrant dans la salle, que vous pouviez vous inscrire sur WooClap. Je vois d'ailleurs un petit chiffre là au coin à droite qui dit qu'il y en a 180 technologiquement agiles qui se sont déjà inscrits depuis le début de la séance. Vous pouvez le faire donc via le petit QR code notamment, ou bien, vous avez vu, vous pouvez le faire aussi par SMS pour ceux qui n'auraient pas de smartphone ou qui n'auraient pas envie d'utiliser leur 4G. Alors, ce qu'on va faire avec ce WooClap, c'est que vous avez la possibilité, pas tout le temps, uniquement dans certains moments, parce qu'on se dit que c'est mieux de pouvoir quand même écouter et de ne pas être tout le temps sur son téléphone, mais de poser des petites questions qui vont pouvoir d'ailleurs se classer en fonction de... Vous avez la possibilité de liker les questions, comme ça, celles qui sont les plus partagées, elles vont remonter au-dessus, et on a peut-être plus de chances de les poser. Mais avant ça, ce qu'on va vous proposer aussi, c'est de participer, si c'est possible, à un petit nuage de mots. Alors, je ne sais pas si on peut passer à la dia suivante. Et si on vous demandait, si d'ailleurs on vous le demande, en un mot, 2050, ça évoque quoi pour vous en un mot? Eh bien, vous avez quelques minutes pour y répondre en un mot. Parce que si vous mettez des phrases, alors là, ça va être un peu le foutoir dans le nuage de mots. Mais juste un mot que cela vous évoque. Et avant cela, moi, j'ai des petites questions à poser. Je vous ai écouté attentivement et j'ai envie de commencer peut-être par une question posée aux deux étudiants qui sont avec nous, Raphaël et Félix. Je vous entendais au début, peut-être Félix d'abord, avec votre journal de 2050. Est-ce que c'était un peu de la provoque pour nous faire réfléchir, pour nous secouer un peu? Ou bien est-ce qu'il y a quelque part en vous une forme de pessimisme, de vous dire, ben, au fond, et on le retrouvait aussi un petit peu dans ton intervention à la fin, l'idée qu'au fond, il y a une telle inertie du système que malgré tout ce qu'on est en train de discuter ici, malgré tout ce qui se met en mouvement dans la société, il y a une forme de pessimisme sur ce vers quoi on va? Si je peux parler pour la plupart des étudiants qui sont là aujourd'hui, je pense qu'il y a surtout une forme de pessimisme. C'est vrai que nous, on a tiré ça un peu à la rigolade pour faire rire un peu et pour que ce soit pas trop ennuyant. Mais c'est vrai que quand on parle de Coupe du Monde sur la Lune, elle est déjà au Qatar. Le Qatar et la Lune, est-ce que c'est si loin de ça? Enfin, on peut se poser la question. Je pense que le but qu'on a voulu en montrant un peu, en commençant pour notre récit comme ça imaginaire, c'est de choquer un peu comme quoi, en fait, il n'y a pas une grande distance entre ce qu'on a dit et ce qui se passe vraiment actuellement. La 16e ministre de l'écologie, je ne sais pas combien on en a déjà maintenant en Belgique, il y en a beaucoup. Du coup, ça montre un peu la réalité dans laquelle on est aussi. Et histoire de, c'était choquant, mais en même temps marrant. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Mais... Raphaël, d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. C'était aussi l'occasion pour parler un peu de nos craintes, un peu de ce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait comme actualité dans le futur. Et essayer de le rendre ironique. Donc voilà. On se rend compte que parfois, même si on aimerait bien avoir un discours optimiste, c'est pas toujours évident et ça fait du bien aussi de balancer les infos et voilà. Ouais, nous provoquer un peu pour nous forcer à réfléchir. Qui parmi les étudiants qui sont dans la salle partage cette forme de pessimisme qu'on entend ici en levant la main? Ah oui, quand même. Bon, petite question alors maintenant pour Emmanuel Piccoli. Je vous écoutais nous parler de ces récits nouveaux et de ces pistes, de cette idée aussi notamment de la décroissance. Quelle boussole pour vous alors? Parce qu'on a entendu les étudiants parler du bonheur intérieur brut. C'est quoi alors si demain, parce que finalement notre boussole aujourd'hui, c'est plutôt cette croissance. Et on sait que même toute une série de modèles de financement de nos États, etc., beaucoup de choses sont construites sur la croissance. Quelle est la boussole pour vous qu'on se donne alors pour demain dans ce nouveau récit à construire? En fait, il y en a déjà beaucoup qui ont été construites. Donc il y a des indicateurs, le bonheur intérieur brut, c'est un indicateur qui a quand même était au moins testé par un pays, le Bhoutan. Il y a d'autres indicateurs. En Wallonie, on a des indicateurs composites aussi qui donnent une vision plus complexe que ça. La grosse difficulté, c'est surtout l'implémentation et le changement vers ce type d'indicateur, en fait. Mais donc, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être utilisées aussi et qui amènent à prendre en considération d'autres dimensions, je pense. Mmh.
Et j'entendais dans votre propos qu'il y avait aussi l'idée qu'on doit réfléchir peut-être aux métriques même de la vie universitaire et de la recherche. J'ai quand même compris qu'il y avait un petit message sans doute qui était envoyé aussi à la communauté universitaire de se dire, tiens, nos classements, c'est quoi les classements de Shanghai, etc. On doit peut-être réfléchir aussi à ça par rapport à cette idée de croissance aussi quelque part dans la façon dont on quantifie la recherche scientifique. Mais effectivement, parce qu'il y a la question des limites de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu, en tant que communauté universitaire. Et donc, à la fois répondre à un récit de croissance qui est présent, hein, parce qu'effectivement, il est systémique, l'univers du ciel n'est pas seul, ça fait partie d'un ensemble. Et à la fois avancer radicalement sur les questions de transition, mais c'est rajouter du toujours plus, donc on est de nouveau dans ce récit. Donc là, il y a vraiment besoin de pouvoir le repenser, faire place. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qui est déjà ouvert dans le débat aujourd'hui, qui est ouvert par cette question de la transition aussi. Donc à poursuivre, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que cette tension, elle existe, à vouloir rajouter ça à d'autres choses sans vraiment prendre le temps et la mesure de la radicalité de ce que ça nous demande. En fait. Erding Braggart nous suggérait qu'on puisse bêcher de jour par jour, déjà au niveau universitaire, pour introduire des éléments nouveaux. Peut-être une petite réaction, Véronique Braggart, vous voyez les mots qui commencent à apparaître. Le plus important au milieu étant incertitude, effondrement, et puis bon, quand même, en un peu plus petit derrière, on a l'espoir qui est un peu plus grand que la peur, c'est déjà ça. Ça vous inspire quoi? Alors, je dois avouer qu'il y a toujours cette question de l'espoir qui revient en littérature. Et j'adore comment Margaret Atwood fait face à ça. À un moment donné, dans Le Dernier Homme, c'est l'histoire d'un personnage, Crick, qui tue l'humanité par un virus. Bon, c'était un texte un peu dur à un moment donné à donner. Oui, j'imagine que pendant la pandémie, on avait moins envie de le lire. Ouais. Oui. Mais il tue toute l'humanité parce qu'il dit qu'en fait, on a ce défaut d'avoir de l'espoir. Parce que l'espoir nous permet toujours de reporter les choses, de procrastiner. Et donc parfois, je crois que ces moments qui sont durs, hein, et on ne doit pas toujours être heureux, mais les moments qui sont durs nous font peut-être rebondir. Et donc je ne voudrais pas qu'on ait trop d'espoir. Il vaut mieux avoir peur Pas peur, mais en tout cas que ça donne un choc pour aller de l'avant. Ou pour limiter, parce que dans ce roman, il dit aussi, les animaux, quand il fait froid, quand il y a une catastrophe qui s'annonce, ils ralentissent, ils hibernent, ils mangent moins et ils se reproduisent moins. Nous, dans toutes les catastrophes, c'est Maria Tatoud, elle dit, we fuck. Et donc, on se retrouve avec beaucoup de baby-boom après les guerres, par exemple, ou des moments comme ça. Voilà. La créativité de Margaret Atwood me fait... Voilà, vous nous dites ça le jour où on passe la barre des 8 milliards d'êtres humains sur ça, Terre, si vous avez entendu. Mais ce matin a encore été bien débattu, ce qui n'est pas le problème. Non, tout à fait. On a fait toute une émission, mais je ne vais pas vous la résumer ici sur la question qui montre que la question n'est pas la fécondité et qu'en fait, on est plutôt en train de diminuer à terme, sauf qu'on a une bulle pendant quelques décennies. Bon, on va poursuivre tout à l'heure, on aura encore d'autres moments d'échange, mais je propose qu'on avance et vous avez l'occasion, vous le voyez, de nous envoyer vos questions pour les intervenants et intervenantes. Comme ça, on vous entendra aussi par ce biais-là dans la suite de cette soirée. On va poursuivre et si vous voulez, on va se réécouter un peu de guitare avant d'accueillir de nouveaux étudiants. Merci.
Et on va accueillir les représentants de nouveaux quotas projets, le Mundocote et l'Electrocote, plus précisément Lise, qui est avec nous pour le Mundocote. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mundocote, son rôle, hein, le rôle qu'il s'est donné, c'est de sensibiliser à l'enjeu des relations Nord-Sud, aux conséquences aussi de la mondialisation. Et il le fait par des conférences, des débats, la projection aussi de documentaires. Bonsoir Lise. Avec nous aussi Nathan, donc pour l'Electrocote, qui lui promeut la réparation des équipements électroniques. Alors, tous les deux, vous nous avez préparé un discours qui nous emmène en quelque sorte dans votre monde idéal. On vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Notre monde du futur. Hop, on va recommencer. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, notre monde du futur serait un monde où la dignité humaine est respectée, où les dettes odieuses envers les pays anciennement colonisés ont été abolies, où il n'existe plus de dépendance entre les pays, où les inégalités réalisées via les grandes entreprises, via les intérêts financiers des États, ou encore via des rapports néocoloniaux, n'existent plus. Inégalité sociale, inégalité genrée, inégalité d'accès aux soins de santé, inégalité environnementale, toutes ces inégalités ne seraient plus des concepts utiles dans notre monde du futur. Nous rêvons d'un monde où tous les êtres humains auraient un accès suffisant à la nourriture, de l'eau potable à disposition et un accès aux soins de santé adaptés. Tous les hommes vivraient dans un environnement propre et sain. La surconsommation, prônée par une logique de marché insatiable, aggravant chaque jour le fossé creusé entre les riches et les pauvres, serait remplacée par une production responsable et au service de l'humanité et de son futur. L'avarice d'une minorité, entraînant toujours plus de pollution des sols ou des eaux, de la terre entière, n'existerait plus. Et le nombre de cancers liés aux extractions minières et la violation des droits des indigènes ne serait que de lointaines préoccupations dans notre monde de demain. Les interrogations ont trop longtemps été mises de côté dans le monde actuel. En préférant user de nos matériels électroniques, tant retenus au fil des modes et tendances de notre société, nous entretenons ces habitudes et réflexions consuméristes. Mais comment atteindre ce monde décrit précédemment ? Une chose est sûre, ce n'est pas en encourageant le marché et les industriels du numérique à concevoir la fin de vie de leurs appareils. Un monde qui se dit conscient du sujet climatique ne veut pas réduire la durée de vie, sous prétexte économique. L'obsolescence programmée est l'incarnation d'une déviation du capitalisme, non pas pour le développement des moyens de production, mais en direction d'entreprises qui continuent de détourner ces mêmes moyens de production pour leur propre profit. Nous voulons d'un monde où il serait possible de conserver, réparer et recycler tous les appareils que nous usons au quotidien et qui forgeront notre futur dans les sphères privées et publiques. Ce monde à deux vitesses dans lequel nous vivons continue de toujours profiter aux plus riches en envoyant toujours plus de détritus électroniques ou en envoyant toujours plus de ressources minières aux mêmes pays en voie de développement. Nous voulons d'un monde où la fin de vie des appareils électroniques que nous usons ne devienne pas le fardeau et la responsabilité d'autrui. Pensez-vous qu'un jour, nous pourrons voir ce monde ? Pensez-vous que notre logique de marché continuera de manger, bouchée après bouchée, chaque ressource sur Terre jusqu'à son noyau ? Pensez-vous que pousser chaque jour encore plus le confort technologique des consommateurs pour l'endormir sur son impact et ses responsabilités sauvera notre planète de la surconsommation ? Pensez-vous que nous pourrons un jour vivre une sobriété numérique, une sobriété heureuse ? Ce sont les questions que nous posons au monde actuel et nous espérons qu'au-delà de penser, il pourra agir afin de faire naître notre monde de demain. Merci à toutes et tous pour votre attention. Thank you.
Voilà, et après ces interventions donc de Lise et Nathan pour le Mondocote et l'Electrocote, on va accueillir maintenant Francesco Contino. Alors moi, je vais vous dire, ça fait la troisième conférence que je fais d'affilée sur ces questions de transition. Il y a chaque fois Francesco Contino. J'ai eu un coup de fil de Damien Ernst qui craint d'être progressivement invisibilisé. Alors, Francesco Contino, je dis ça parce qu'il est un peu sur les mêmes thématiques qu'un expert qu'on entend beaucoup médiatiquement, professeur de thermodynamique ici à l'UC Louvain, spécialiste de la transition énergétique. Eh bien, le micro est à vous, Francesco Contino. Je ne sais pas d'où vous souhaitez parler, mais on vous écoute. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend ? Parfait. Alors justement, ce récit m'a donné envie de vous parler de quelque chose. J'avais envie de parler de thermodynamique. Et tout le monde va se souvenir de ce moment comme le moment où j'ai perdu tout le monde, en fait, dans mon discours. Mais vous savez, vous connaissez le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe que l'énergie se conserve. C'est le principe qui est rassurant, on ne perd rien. Il y a un second principe. Le second principe évoque plus une perte. On parle d'entropie, j'y reviendrai. Mais dit que l'énergie se dégrade quand on la met en œuvre. Et d'où l'adage qu'on entend souvent, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc quand j'entendais dans le récit, mais oui, finalement, réutiliser, réparer, recycler, reporter un achat, ça tombe sous le sens. On entend souvent que dans nos économies développées, plus on développe une économie, plus on tend vers la dématérialisation. On a déjà entendu ça. Et quand on regarde l'empreinte matérielle, c'est celle qui compte l'ensemble de la chaîne, y compris celle qu'on délocalise dans les endroits qu'on n'a pas très bien envie de regarder, un peu sous le tapis. Eh bien, cette empreinte matérielle n'a fait que croître. Elle n'a fait que croître avec le PIB, que ce soit au niveau mondial ou au niveau de chaque pays de manière spécifique. Alors, peut-être que c'est cette question de la croissance qu'il faut reprendre, et ça a été évoqué aussi dans un autre des récits. Finalement, le PIB, c'est une définition un peu particulière. Qui connaît, et vous pouvez lever la main, Simon Kuznets ? Il y en a un. Alors, je vais faire simple, je ne suis pas économiste, je check un petit peu sur le côté. C'est la personne qui a inventé le PIB. Enfin, on lui a commissionné de raffiner un indicateur qui existait déjà, mais qui a inventé ce qu'on connaît plus ou moins comme le PIB actuellement. Ce que je trouve fascinant, c'est que la même personne, on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise « mon invention, je ne veux pas qu'on y touche, hein, c'est génial », mais la même personne a dit « c'est un très mauvais indicateur du progrès économique, économique sous le sens étymologique du terme ». Et donc, ça n'est pas un bon indicateur du progrès. Et pourtant, quand on entend parler de croissance, on entend parler en même temps progrès. On utilise ça de manière complètement interchangeable. La raison pour laquelle je vous parle de croissance, de PIB ou de progrès, l'ingénieur de service, c'est pour vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Non, tous les ingénieurs ne sont pas techno-optimistes. On est plus qu'une minorité à penser que les ingénieurs ne sauveront pas seuls la planète. D'ailleurs, le symbole que je porte ici à la poche, je n'arrivais pas à le mettre sur ma chemise, c'est le symbole des ingés en transition qui, ici même, il y a quelques semaines, se posaient exactement les mêmes questions. Il n'y a pas que cette idée reçue à laquelle il faut tordre le cou. Finalement, ce qui m'embête vraiment profondément quand on parle de la crise dont on a parlé juste avant avec l'anthropocène, capitalocène, j'ai même appris un mot grâce à Emmanuel, qu'elle ne l'a pas dit, mais elle aurait voulu parler de thermocène, hein, l'énergie fossile. Bien, finalement, ce que je me rends compte et qui profondément m'ennuie, c'est qu'on arrive souvent avec des solutions à l'emporte-pièce. Les yaka faucons. Et ça, c'est profondément ennuyant parce que ça remet un petit peu en question tout ce qui s'est passé par ailleurs. Les principes de base sont hyper simples. On va les énoncer ensemble. 1, la sobriété. Après la sobriété, l'efficacité. Et après l'efficacité, les énergies, soyons inclusifs, renouvelables et décarbonées.
Alors, peut-être les implications sont beaucoup plus complexes, et je vais y revenir, mais peut-être juste un petit mot de définition, parce que souvent, on entend nos hommes et femmes politiques parler de sobriété, et ils ne pensent pas vraiment à sobriété, ils pensent à autre chose. Sobriété, c'est diminuer son niveau de confort. Par exemple, à la maison, diminuer la température ambiante. Efficacité, c'est garder la même température ambiante, mais isoler sa maison. Faire mieux, tout en gardant les mêmes niveaux de confort. D'une certaine façon, même quand on regarde à la sobriété, il y a différents niveaux. Il y a malheureusement la sobriété imposée, qui est souvent le résultat d'une pauvreté, et je pense qu'on en parlera juste après, et la sobriété qui est volontaire. Et je voulais mentionner un programme intéressant que je teste justement pour l'instant, avec toute ma famille, c'est le programme Slow Heat de mon collègue le professeur Geoffrey Van Muzek, où l'idée c'est de diminuer la température ambiante, mettre un pull, une couverture en plus, peut-être des radiants locaux, et bon, certes c'est pas exactement le même confort, hein, on peut plus se balader en t-shirt, je ne l'ai jamais fait je vous rassure, mais là c'est de la sobriété volontaire, et je ne me porte pas plus mal pour autant. En fait, quand je dis sobriété et perte de confort, finalement, c'est peut-être qu'il faut revoir aussi notre définition du confort. Vous savez, c'est sympa de se retrouver en équipe, en famille, sous la couverture. C'est tout aussi agréable, même si dans nos définitions de certains, ce n'est pas le même confort. Et donc, il ne faut pas voir la sobriété comme un échec, comme une sanction, comme une perte. Je vous le disais, les principes sont simples, les implications sont complexes, sont systémiques. Et j'ai souvent l'impression qu'il y a aussi des problèmes d'ordre de grandeur. Et je vais utiliser un exemple qui me tient à cœur, l'exemple du cycliste. Et je vais demander à une personne au hasard, notre recteur, de répondre à une petite question. On a entendu juste avant, et merci, c'était une transition parfaite, je ne l'avais pas anticipé, qu'on devait bêcher 2 heures par jour. Bon, bah, je ne vais pas vous demander si vous êtes prêt à bêcher 2 heures par jour, monsieur le recteur, mais... je voudrais vous demander, imaginons qu'on a une mobilité complètement électrique, combien de temps vous pourriez, et je ne parle pas de vouloir, mais de pouvoir, pourriez consacrer à pédaler pour recharger une voiture électrique. Combien de temps je suis prêt à consacrer ? Par jour. Par jour. 3/4 d'heure. Alors, de par sa fonction, et je vais m'éloigner du haut-parleur. Merci, monsieur le recteur. De par sa fonction, ce recteur va pédaler à vivacité. Peut-être 150, 200, voire plus de 100 watts. Bon, au bout de 45 minutes, ça va faire même pas 2% de ce qu'on aura consommé sur une journée typique. Je dirais entre 10 kWh environ. Il faudrait 100 fois ça, 50 fois ça, avec votre vivacité, 100 fois si on a moins de vivacité. Alors, on n'a pas... tous la même puissance, on n'est pas égaux par rapport au pédalier, mais on n'est pas non plus égaux par rapport à ces questions d'énergie. Et c'est un problème majeur, les problèmes d'inégalité par rapport à ces questions-là, parce qu'on vise toujours à avoir cette transition de manière égale, mais en fait, il faut juste que cette transition soit de manière équitable. Et j'ai souvent l'impression que, même si on n'a pas le même effort, ça peut mener à une certaine forme d'inaction. Ou de ralentissement. C'est vrai que beaucoup de choses se passent au niveau international, on a parlé des COP, au niveau européen, mais ce n'est pas pour ça que le signal ne peut pas venir de tout un chacun, le signal de l'action. Même si cette action, de manière individuelle, peut-être aura un impact qui est toutefois négligeable au niveau global. Finalement, ça me fait penser à cette histoire du colibri, chacun avec son petit rôle. Mais à la fin de l'histoire, ce qu'on oublie souvent, l'histoire de Pierre Rabhi, c'est que le colibri meurt. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher de penser aux inégalités. On l'a mentionné également dans le récit. Je vous donnais juste un chiffre. L'Afrique, depuis 1850, a émis 4% des émissions de CO2 mondiales. Qui sommes-nous pour leur dire arrêtez de consommer et surtout ne prenez pas le charbon qui est dans votre sous-sol? Je parle souvent avec un collègue de l'Uliège, un autre, Sylvain Coilin, qui a beaucoup d'expérience avec la Bolivie et qui me disait finalement, eux, leur rêve ou leur idéal pour la prochaine étape, c'est d'installer des centrales au charbon.
on est l'exemple. Et finalement, je crois énormément au rôle de l'exemplarité. Pas l'exemplarité pour dire on est supérieur, on va vous montrer, mais plutôt peut-être cette exemplarité qui veut qu'on reconnaisse ses erreurs, qu'on reconnaisse qu'on s'est trompé, et peut-être aussi pour un peu soigner notre éco-anxiété. Il y a urgence, on le dit dans les différentes COP, il y a vraiment urgence. Et quand on parle de l'augmentation de la température, j'ai parfois l'impression qu'on parle de notre planète. On a 1,2 degré. À partir de 1,5 degré, plein de phénomènes vont commencer à s'emballer. On va passer des points de bascule. On est dans un système qui est très non linéaire. Et je me souviens d'une discussion que j'avais avec Sophie Pfergeld qui me disait, ben oui, le permafrost fond. Alors c'est naturel de fondre pour le permafrost, mais là, ils font, ça va s'emballer si on dépasse cette limite-là. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on sait faire. Les actions sont connues, en fait. Mais attention, je vous l'ai déjà dit, les yakas faucons, ce que je vais vous dire maintenant, finalement, a beaucoup de conséquences et beaucoup d'implications. Arrêtez l'avion. Arrêtez la voiture de société. Favorisez la mobilité douce. Arrêtez le bœuf, arrêtez les produits laitiers, diminuez par 3, divisez par 3 sa consommation de viande, une isolation, voire forcée comme une reconstruction après la guerre, choisir ses produits financiers, voter en conséquence. Finalement, c'est plein de choses, diminuer les achats. Mais qui suis-je pour vous dire, pour faire cette liste finalement, je suis très loin de cacher toutes les cases. Et en fait, la difficulté, c'est aussi de savoir à quoi ça contribue. C'est très difficile de savoir mesurer quelle est sa contribution individuelle. Je rêve d'un quota CO2 individuel pour lequel on pourrait mesurer pour chaque action en combien on va grignoter ce budget qu'on a à notre disposition. J'ai commencé en vous parlant de thermodynamique. Et je vous disais que le second principe était important. Parce qu'il montre à quel point on dégrade une énergie qui est mise en œuvre. Et ça permet de définir l'entropie, je vous ai dit. Hein. Bon, l'entropie, personne ne comprend vraiment à quoi ça sert, mais ça nous permet de définir un autre concept très important, le concept d'exergie. L'exergie, c'est le déséquilibre d'une source d'énergie par rapport à son environnement. Et ça mesure d'une certaine façon son potentiel. Et je me plais à croire que finalement, on a tous individuellement une exergie, cette exergie pour faire ce changement. Et comme nous l'avons tous individuellement, mais aussi collectivement, ben mon message pour ce soir, pour vous tous, c'est que nous avons cette exergie et que nous pouvons faire ce changement, nous pouvons tous être acteurs de ce changement. Merci beaucoup. Francesco Contino, merci à vous. Et puisque vous mentionnez ce mot d'exergie, on va peut-être quand même préciser que vous travaillez depuis quoi, un an peut-être, même plus ? Oui, bientôt un an, à un podcast qui s'appelle Exergie, avec des entretiens souvent très long format, avec des spécialistes au départ de l'énergie, mais ça va beaucoup plus loin que ça, sur cet enjeu de la transition énergétique. Et donc, je vous recommande cela, vous le trouvez sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Alors, on a un petit peu de temps justement pour parler. Pendant ce temps-là, vous n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on a déjà une quinzaine qui ont déposé les questions, on les découvrira un petit peu plus tard ce soir, et donc vous pouvez les déposer via le WooClub. J'avais d'abord une question, moi, pour les deux étudiants qui sont avec nous, Lise et Nathan. Nathan, peut-être tout d'abord, sur ce dont vous avez parlé hein, dans le discours, l'enjeu est promu notamment aussi par votre cote hein, d'aller vers, je ne sais pas s'il faut parler de, enfin en tout cas un comportement différent vis-à-vis de nos outils et de nos objets électroniques, tous ceux qui nous entourent. Quel est le contact et quel est le retour que vous avez des étudiants
quand vous, vous travaillez avec eux sur ces questions-là? Parce que j'imagine qu'il y a à la fois un côté service, un peu Ripper Café, où on est content de pouvoir venir faire réparer tel ou tel objet électronique. Est-ce que ça se traduit après par une réflexion parfois différente sur des comportements de consommation, sur le prochain smartphone qu'on va acheter, sur des objets auxquels on pourrait avoir accès, où on se dit, tiens, bah, peut-être je vais réfléchir mon comportement d'achat différemment. C'est quoi le retour que vous avez au contact avec la communauté étudiante sur ces questions-là? Alors bien souvent, quand on vient à l'électrocote le mercredi, c'est souvent qu'on a un problème. Donc c'est souvent un intérêt économique, c'est rarement un intérêt écologique. Bon, maintenant, les étudiants viennent souvent chez nous avec un ordinateur qui ne marche plus, un téléphone avec une vitre cassée, bien souvent. Bon, ce genre de problème, bah, on leur montre justement que c'est résolvable et que c'est réparable pour une fraction du prix. Ils repartent avec quelque chose qui est réparé, ils gagnent de l'argent donc via ça, mais ils gagnent aussi une idée que, bah, au final, c'est réparable. Et donc en fait, quand ils vont peut-être un jour acheter de nouveaux matériels, ils prendront en compte le fait que ce soit réparable, enfin on espère, et ils vont aussi pouvoir eux-mêmes se dire, bah, imaginons l'ordinateur ne marche plus du jour au lendemain plus tard, bah, ils pourront revenir chez nous, ou alors ils pourront même faire ça eux-mêmes, c'est ce qu'on promouvoit chez nous, regarder directement à l'intérieur de leur machine, un peu comme, comme les parents, il y a longtemps, regardaient leur moteur de voiture. Et en fait, c'est ce qu'on voudrait un peu promouvoir, c'est démystifier un peu l'appareil électronique qui est très nouveau dans dans la vie de tous les jours, qui prend beaucoup de place et qui est pourtant pas si compliqué que ça. Et est-ce que vous la voyez, vous, l'obsolescence programmée, quand vous ouvrez justement ce matériel électronique, parce que vous en parliez tout à l'heure, de se dire, tiens, mais parfois c'est absurde, on aurait pu concevoir ces matériaux électroniques tellement différemment pour que ce soit plus simple et que tout un chacun puisse à un moment donné peut-être mettre les mains dedans et se dire, tiens, ben, je vais prolonger la vie de mon appareil plutôt que d'aller le jeter au bac et de devoir en choisir un nouveau. Alors oui, c'est clair que l'obsolescence est assez visible. Certaines marques plus visibles que d'autres. Maintenant, le gros problème, en fait, c'est que beaucoup de marques font en sorte que ce soit trop compliqué et trop long en fait, à réparer. Et donc, économiquement parlant, un réparateur, ça coûtera trop cher. Un étudiant, il a un peu plus de temps, donc il peut se permettre. Mais le problème, c'est vraiment là, c'est là le cœur du problème, c'est avoir des plans, avoir des idées de comment réparer la chose. Le problème, c'est qu'on a des choses qui sont très peu compréhensibles dans certains cas, comme des machines à café. Même si ça paraît très simple, c'est très compliqué en fait à réparer une Senseo. Enfin voilà. Voilà, c'est l'obsolescence programmée, la non-réparabilité programmée aussi, quelque part préprogrammée que vous découvrez. Question un peu similaire pour Lise, hein, donc du Mundocote. Est-ce que cette sensibilisation auprès des étudiants, hein, vous le disiez, via des conférences, des débats, vous avez l'impression que ça se traduit par après aussi dans des changements de comportement, parce qu'il y a ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut discuter, débattre dans ce genre d'échange, et puis il y a des comportements, notamment par exemple de consommation, de réflexion sur ce qu'on va acheter, sur comment on va peut-être voyager, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses, qu'il y a des lignes qui bougent au fil du temps? Ok. Je crois qu'il fonctionne. Ok, ah oui. Franchement, je ne sais pas du tout. En fait, c'est pas répondre à cette question parce que nos activités, c'est surtout des conférences en fait, et donc les gens repartent avec une information sur un sujet et peut-être plein de questions. Et donc, nous en fait, on essaye de leur ouvrir les yeux sur ce que c'est le colonialisme par exemple, et en fait, pour qu'ils apprennent que c'est ancré dans le monde actuel. Et le retour des étudiants, souvent, c'est ah, mais je savais pas du tout qu'il y avait ça. Enfin, voilà, c'est surtout ouvrir des yeux. Oui, c'est ça. Et voilà. Semer des actions concrètes, je ne sais pas trop. Peut-être en parler autour de soi. Enfin, voilà. Ouais, semer un peu des graines pour qu'après ça percole et que la réflexion se diffuse. J'ai une ou deux questions aussi pour vous, Francesco Contino. Vous parliez de sobriété versus efficacité. J'ai l'impression qu'on attend souvent de l'ingénieur, justement, d'être tellement efficace ou de tellement développer l'efficacité qu'on puisse faire un peu moins de sobriété. Quelque part, j'ai l'impression que dans le progrès technologique tel qu'on l'envisage aujourd'hui, c'est un peu ça, le rôle que l'on assigne à l'ingénieur. Est-ce que vous pensez que l'ingénieur a aussi un rôle à jouer dans la sobriété? Quelque part, la sobriété, repenser nos comportements, ça demande, j'imagine, aussi une réflexion de recherche, une réflexion universitaire. Est-ce que ça, c'est des choses, on parlait d'ingé en transition là tout à l'heure, qui sont déjà un peu mises à l'œuvre dans des facultés comme la vôtre?
Je pense que ça se traduit par des actions et plutôt des missions qui vont au-delà des facultés d'ingénieurs. Je pense que justement, ça s'inscrit dans l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. D'ailleurs, on a bientôt un événement justement sur la transdisciplinarité à l'UC Louvain. C'est des réflexions qu'on ne peut pas faire seul en tant qu'ingénieur, parce que on va prendre des exemples simples. On venait de parler des produits électroniques. L'humain est au centre de l'utilisation des produits électroniques. Ce n'est pas juste penser qu'ils vont lire le mode d'emploi religieusement pour croire que ça marchera bien. Et je me souviens, je l'ai vu tout à l'heure, Jean-Pierre Rasquin qui m'expliquait ça aussi, effectivement, sur ces sujets-là. Finalement, on fait un design en espérant que ça soit utilisé de telle façon, mais finalement, on l'utilise complètement différemment. Et puis le deuxième volet par rapport à l'efficacité, c'est que ce qu'on a observé souvent, c'est qu'effectivement, on peut améliorer l'efficacité. Et derrière ça, il y a l'effet rebond, qui est de nouveau quelque chose qu'on ne peut pas forcément anticiper et qui a tendance à réaugmenter la consommation. Donc oui, on pense à la sobriété, mais ce n'est pas une action qu'on peut mener seul, c'est certain. Mmh. Ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est le fait qu'en général, quand on améliore l'efficacité, donc qu'on consomme moins d'énergie, on va utiliser plus de produits puisqu'on consomme moins. L'exemple souvent nommé, c'est les LED. Hein. On consomme moins, donc on en met plus. Donc, petite question encore pour vous, Francesco Contino. Vous êtes, je pense, régulièrement invité par des entreprises ou des cercles d'entreprises, de réflexion. Est-ce que vous avez l'impression que justement sur cet enjeu de la sobriété, voire de la décroissance, il y a des lignes qui bougent? Est-ce qu'on regarde toujours ça en disant « mais allez, venez pas nous parler de décroissance » ou bien est-ce que même chez des patrons aujourd'hui qui sont dans un système qui fonctionne dans une logique de croissance, vous sentez des lignes et des déclics qui se font? Oui, totalement. Il y a un peu plus qu'une semaine, deux semaines, j'étais invité par l'Union Wallonne des entreprises et finalement... C'est facile, hein, en tant qu'académique, on peut être assez provocant et provocateur même. Et je leur disais, ben finalement, pourquoi on n'arrête pas la voiture de société? C'est obsolète, ça n'a pas de sens. C'est bon, on peut arrêter, on peut décider ensemble d'arrêter. Et après mon intervention, il y a eu plusieurs réactions. Il y avait le représentant de la FEBIAC qui était là. Il m'a dit, mais... Monsieur Contino, vous ne pensez pas que c'est quand même le moteur, je ne sais pas s'il est dans la salle, j'essaye de relater de manière la plus fidèle possible, vous ne pensez pas que c'est quand même le moteur de l'évolution technologique? Oui, certes, mais c'est quand même pas un message de sobriété. Et juste après ça, donc il y a la partie un peu plus informelle où on peut discuter autour d'une tasse de café. Plein de gens sont venus me voir en disant « mais c'est génial, est-ce que vous venez en entreprise? On a besoin de quelqu'un pour convaincre tout le monde ». Je pense qu'il y a une frange de plus en plus grande, je n'ai pas de statistiques par rapport à ça, qui est convaincue. Et comme on est en démocratie, normalement, s'il y a une majorité, ça passe. Mmh. Et c'est à vous que je dois vous demander ça. Et le Premier ministre lui-même, d'ailleurs, récemment, disait qu'à terme, il pensait quand même que les voitures de société, c'était peut-être pas une bonne chose, mais bon, que pour le moment, on n'y était pas encore. Merci à vous, Francesco Contino. Merci à vous, Nathan, Lise. On vous retrouvera pour répondre aux questions du public qui commencent à s'accumuler, 45 questions. Déjà, on va passer au dernier volet de notre triptyque ce soir avec avant tout quelques petites notes de musique. Merci à Simon. Thank you.
Et je vous propose d'accueillir, poursuivre, deux représentants, l'un de l'AGL, hein, le conseil étudiant ici de l'UC Louvain, et l'une de Youth for Climate, la section ici de Louvain-la-Neuve. Il s'appelle Alex et Valentine, voilà, j'ai un petit oubli sur mon papier. Voilà, alors Youth for Climate, vous connaissez sans doute hein, les jeunes, le mouvement activiste des jeunes pour le climat, et donc cette section qui existe aussi sur le campus de Louvain-la-Neuve, et puis Alex pour l'AGL, l'Assemblée Générale des Étudiants, qui a pour but de soutenir, défendre, informer, représenter aussi les étudiants, et bien vous nous proposez, vous ce soir, de remonter un peu le fil de l'histoire de notre humanité. On vous écoute. Il y a bien longtemps, l'humain a fait la découverte du feu. Une lueur d'espoir voit ainsi le jour face à l'obscurité de la nuit et de l'espace. Le feu lui apporte une source permanente de lumière, de chaleur, de confort. Celui-ci devient alors son fidèle compagnon, écoutant ses histoires, ses mythes et ses récits. L'humain fait ses premiers pas sur le visage de la Terre, encore inexploré et inconnu. Au fil des millénaires, le feu accompagne l'histoire de l'humain à travers ses découvertes et ses merveilles, mais aussi à travers ses guerres ravageuses et destructrices. L'humanité comprend alors que l'usage du feu peut lui apporter d'immenses richesses. Elle se lance ainsi dans une course furieuse et effrénée vers la croissance économique, industrielle et militaire. Son avidité l'amène à vouloir toujours plus de richesses, de ressources, d'énergie et de confort. La maîtrise du feu, toujours plus performante, conduit à de prodigieuses inventions. De nouvelles machines et de moyens de transport voient le jour. Des contrées qui, auparavant, étaient isolées et inaccessibles, sont maintenant à portée de main. Le vol aérien, auparavant l'apanage des dieux, devient maintenant réalisable. Mais tout cela n'est pas sans conséquences. Alors que toutes les attentions sont rivées sur la croissance économique, il faudrait détourner nos regards vers les impacts de celle-ci sur la biodiversité, sur notre santé et sur notre environnement. Quelques personnes ici et là tentent désespérément d'avertir les autres, de prévenir l'humanité que sa course l'amènera à sa perte. Mais personne ne les écoute. D'autant plus qu'on se moque de leurs idées et on les accuse même d'être l'ennemi du progrès et de vouloir retourner vers l'obscurité de la préhistoire. Au fil des années, ces effets brûlent littéralement le visage de la Terre. Le délicat équilibre des écosystèmes terrestres et marins se déstabilise. Peu de forêts, inondations, tempêtes. L'humain reste toutefois aveugle face à ses actes, et bien trop peu de personnes pensent à l'avenir de notre maison. Le feu est-il encore notre ami? Ne faudrait-il pas changer de compagnon? Aujourd'hui, un étudiant porte son regard vers l'avenir. Que pensez-vous qu'il y voit? Un monde en flammes ou un monde meilleur? Mais laissez-moi vous peindre mon quotidien étudiant pour l'hiver de l'an 2050. Ce matin, je me réveille doucement dans ma chambre de côte. Il fait bon vivre et le chauffage n'est même pas allumé car les murs sont bien isolés. J'enfile mon jeans confectionné dans les Ardennes et je me prépare pour la journée. J'ai le temps de déjeuner à un crunchy de chez Pollen. Je vais au cours de droit international dans les auditoires Simone Veil. Le cours est organisé en petits groupes, ce qui nous permet de discuter et d'échanger plus facilement sur les questions d'écocide relatifs aux événements de 2030. Depuis ces années-là, le sujet est incontournable. D'ailleurs, depuis 2025, avec le plan Horizon 600 de l'UC Louvain, tous les cursus se sont adaptés pour affronter les enjeux du changement climatique et de la transition écologique. Sur le temps de midi, je mange avec des copains à la sandwicherie Agora. Le menu est végétarien et abordable, donc on s'y retrouve souvent. Notre deuxième choix, c'est évidemment le Resto U, avec ses repas chauds à deux talents, la monnaie locale néo-louvaniste. Après mon cours de 14 heures en société, population et développement, je me concentre sur un travail de groupe. Ce qui est génial, c'est qu'on vient tous de facultés différentes et qu'on monte un projet concret sur nos responsabilités en tant que citoyens européens sur la crise écologique. Le soir, j'assiste à une conférence dédiée à l'évolution de l'UC Louvain dans la transition écologique. On parcourt alors l'histoire de l'université sur ces dernières années et c'est impressionnant de voir qu'à l'époque, on n'y était pas du tout. En fin de soirée, je retrouve mon lit, il y fait bon vivre et le chauffage n'est même pas allumé car les murs sont bien isolés.
Nous rêvons d'une journée comme celle-ci pour l'an 2050, dédiée à toute la future communauté étudiante. Et nous espérons que dans quelques années, nous pourrons être fiers de pouvoir dire que l'université a réellement concrétisé ses objectifs et ses engagements. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui, en 2050, donnera le cours de droit international dans l'auditoire Simone Veil, mais je vous propose d'accueillir pour suivre Olivier De Schutter, professeur ici à l'UC Louvain, en droit international justement, et aussi rapporteur spécial des Nations Unies pour l'extrême pauvreté. C'est à vous. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette introduction. Et je suis très heureux de dire quelques mots sur ce qui nous réunit ce soir, c'est-à-dire les récits qui entourent la question de la transition. Et je voudrais tenter de déconstruire trois oppositions que l'on entend en fait classiquement autour de cette question. La première opposition, c'est au fond entre un discours catastrophiste de l'effondrement de la fin du monde, inauguré par Jared Diamond dans un livre qui porte pour titre d'ailleurs Collapse, poursuivi par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Vous connaissez évidemment le fameux « Comment tout peut s'effondrer » petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et vous connaissez peut-être le film de Nicolas Hulot, « Le syndrome du Titanic », qui parle effectivement de cette perspective de l'effondrement. Et on a ce premier récit. Et puis, à ce premier récit, on en oppose un autre, radicalement différent dans sa tonalité, c'est le récit des initiatives de transition, de ce qu'on invente en matière d'alimentation, de mobilité, d'énergie, et qui est documenté, par exemple, dans le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, qui est un feel-good movie sur l'écologie et les possibilités de la transition. C'est aussi le message que diffuse quelqu'un comme Rob Hopkins et le réseau Transition. Et je voudrais, pour ma part, souligner peut-être la nécessité d'aller au-delà de cette opposition entre le catastrophisme de l'effondrement d'un côté et l'optimisme dans les initiatives qui se mettent en place pour gagner cette course de vitesse qui s'est engagée de l'autre. Le discours de l'effondrement mise sur la peur, mais provoque souvent la dépression, la démobilisation. On a parfois aussi des réactions qui sont de l'ordre du repli sur soi et du survivalisme. Et ce n'est pas, évidemment, l'intention des partisans de la collapsologie. Leur intention véritable, c'est de provoquer cet électrochoc qui va mettre en motion. Ils s'inspirent, en fait, d'un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé » et qui dit en substance, c'est un peu le paradoxe, que pour éviter la catastrophe, il faut la présenter comme inévitable. C'est seulement à condition de la présenter comme cela que l'on va créer l'électrochoc qui va forcer les gens à se mobiliser. Et c'est, je crois, la démarche des collapsologues, mais je le répète, c'est une démarche qui peut décourager, amener à des dépressions, à de l'éco-anxiété que travaille, par exemple, quelqu'un comme Alexandre Hérène dans cette université. Le discours positif, lui, le discours du film Demain, est un discours qui présente un autre risque, c'est de
de démobiliser parce qu'on a l'impression que la politique ne va plus servir à rien, que les gens vont prendre en main leur propre destin, que les communautés vont trouver leurs propres solutions. Et finalement, c'est un risque d'oublier que les vrais leviers de changement sont au niveau structurel, dans la manière dont l'économie fonctionne, dans la manière dont les marchés financiers fonctionnent, dans la manière dont les politiques assument leur mandat. Et donc, le contraste entre ces deux récits pose la question de savoir comment bien communiquer à propos du climat, du risque environnemental. Le spécialiste de cette question est un Anglais qui s'appelle George Marshall et qui a publié un ouvrage traduit en français sous le titre « Le syndrome de l'autruche », le titre anglais « Don't even think about it ». Et cet ouvrage tente de montrer, en fait, que ça ne sert à rien de montrer aux gens des graphiques, des statistiques, des projections à l'horizon 2050-2080, parce que ce n'est pas à travers la raison, le cerveau, si vous voulez, que l'on va être mis en motion, c'est à travers le cœur, l'émotion. Et George Marshall nous dit, sachons apprendre des religions qui, elles, arrivent à mettre en marche des millions de personnes sans argument rationnel, simplement en parlant au cœur, aux émotions, aux valeurs qui animent les gens. Et je crois que c'est l'enseignement principal de la littérature dont on dispose sur la manière de parler du risque climatique en particulier. L'autre chose que nous apprend la littérature aussi, c'est que pour provoquer l'écoute, la peur est utile, mais pour motiver le changement, il faut accompagner cette peur d'un récit qui donne des solutions, d'autant plus que si vous parlez d'un problème sans proposer vos solutions, d'autres viendront proposer les leurs, qui ne sont pas nécessairement souhaitables. Donc voilà une première opposition que je voulais déconstruire. La deuxième opposition est entre la transition par le haut, par un État planificateur, voire autoritaire, et la transition par le bas, à travers ces éco-gestes, ces petites initiatives que nous pouvons prendre, chacun pour ce qui nous concerne, soit tout seul dans sa cuisine, soit entre voisins à l'échelle d'un quartier ou même d'une ville. En fait, cette opposition n'a pas lieu d'être. L'expérimentation locale doit être favorisée par un État qui permet l'expérimentation, qui donne envie aux gens de s'investir, qui leur en laisse le temps, le loisir, par exemple, par une organisation du travail qui nous permet de sortir du couple infernal travail-consommation. Et l'État a un rôle décisif pour créer ces espaces de liberté dont les gens ensuite peuvent s'inspirer. C'est d'ailleurs ce que nous tentons de présenter dans un livre préfacé précisément par Cyril Dion sous le titre « L'État partenaire, transition écologique et sociale et innovation citoyenne » auquel a contribué notamment notre prorectrice à la transition et à la société Marthe Nissens. Par ailleurs, pour qu'une initiative de transition, une transition par le bas, se développe, il faut des relais politiques. À un moment donné, pour changer d'échelle, pour que l'expérience subsiste, il faut que des alliances soient nouées entre ces acteurs locaux et d'autre part le monde de l'entreprise et les politiques dans une gouvernance tripartite qui caractérise les initiatives de transition les plus pérennes, durables. Troisième opposition dont il faut se méfier, troisième dichotomie que je voudrais déconstruire, c'est entre la transformation écologique de nos sociétés et la poursuite de la justice sociale, de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Aujourd'hui, en temps de crise, avec la crise du pouvoir d'achat qui est mondiale et qui affecte notamment les pays européens, on a tendance à postposer à plus tard la transformation écologique. Après tout, ce n'est plus la priorité, alors que les ménages font face à des factures de gaz ou d'électricité exorbitantes et que les familles en pauvreté ont du mal à suivre le rythme de l'inflation. Et c'est vrai qu'on oppose souvent transformation écologique et justice sociale parce que dans la transformation écologique, on a parfois recouru à des outils qui ont donné à l'écologie politique une mauvaise réputation. Des écotaxes qui pénalisent notamment les ménages en pauvreté. On a aussi conception de la transition écologique qui suppose des investissements lourds pour les infrastructures de transport en commun, pour l'isolation des bâtiments, pour la transition vers les énergies renouvelables. Et cela exige de l'argent, tout cet argent ne l'aura peut-être pas pour financer la protection sociale ou permettre des salaires décents. Et puis, l'écologie a très souvent recouru au discours du sacrifice, du renoncement, pour présenter l'avenir auquel il fallait aspirer,
en méprisant peut-être le souci de confort et le besoin de ne pas sortir du statu quo que ressent chacun, parce qu'on préfère toujours la sécurité de ce qu'on a au bienfait d'un changement que l'on redoute. Et en fait, cette opposition n'a pas lieu d'être entre transformation écologique et justice sociale. Nous savons qu'il y a toute une série de mesures qu'on peut prendre qui créent des synergies positives entre ces deux objectifs. Ce qu'on appelle des mesures à triple dividende créent des emplois, favorisent l'accès à des biens et services à un coût abordable pour les ménages défavorisés et, troisièmement, permettent de réduire l'empreinte écologique. Si, par exemple, on isole les bâtiments, on crée des emplois dans le secteur de la construction, on réduit la facture énergétique des ménages et, bien entendu, on réduit les émissions de gaz à effet de serre qui résultent du chauffage des bâtiments. Ou bien encore, si l'on investit dans les infrastructures de transport en commun, l'on crée des emplois puisqu'il faut conduire les bus, les trams, les métros et les trains, il faut par ailleurs développer les voies ferrées, etc. On permet que le droit à la mobilité soit reconnu à tous et toutes sans avoir besoin d'une voiture individuelle. Et enfin, on réduit évidemment les impacts de la pollution automobile. Et donc, il y a toutes ces mesures qu'on peut imaginer. Et puis, il y a surtout cette conviction qui nous anime, beaucoup d'entre nous, c'est que l'égalité est une condition indispensable à la transformation écologique. Pas seulement parce qu'elle sera beaucoup plus légitime, on rencontrera moins de résistance si les efforts sont équitablement répartis, mais aussi parce que plus d'égalité, ça veut dire qu'on aura besoin de moins de croissance pour réduire la pauvreté, parce que la moindre création de richesse va notamment bénéficier aux ménages qui sont les plus pauvres, qui sont en bas de l'échelle sociale. Et donc, si vous voulez réconcilier ces objectifs, il faut effectivement plus d'égalité. L'égalité, la justice sociale, est donc une condition de possibilité de la transformation écologique. Voilà, ça c'est ce que m'inspire la question que les étudiants m'ont posée. Qu'est-ce que c'est que le débat sur les récits de la transformation écologique? Je vous remercie de votre patiente écoute. Merci Olivier de Schutter. On va proposer aux étudiants de rester avec nous, Olivier de Schutter aussi, peut-être aux autres intervenants de venir nous rejoindre. Comme ça, on va pouvoir aller se servir dans les nombreuses questions, je pense, qu'on nous a envoyées. J'ai juste une petite question pour vous, Olivier de Schutter. Quand vous parlez de cet enjeu de trouver, de réconcilier quelque part à la fois l'action individuelle et puis ce qui va se passer au-dessus, au niveau politique, hein, quand vous dites qu'il faut qu'en haut, on écoute ce qui s'invente en bas, et puis il faut qu'en bas aussi, on puisse à un moment donné trouver des relais pour changer d'échelle et des réponses plus politiques. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que les institutions, le fonctionnement de notre démocratie aujourd'hui, sont à la hauteur de cet enjeu-là? Avec le micro, peut-être. Pardon, non, je crois qu'il y a un grand malentendu et un dialogue de sourds entre d'un côté le niveau des hommes et femmes ordinaires qui veulent dans leur quotidien faire les choses bien parce qu'ils souffrent de la dissonance cognitive que l'incohérence provoque, et d'un autre côté les politiques qui disent les gens ne sont pas prêts. Et en fait, les gens sont prêts, simplement, ils veulent que les politiques les aident à faire les bons gestes, à avoir un comportement responsable, etc. Et c'est pour ça que les éco-gestes servent à quelque chose. Ils ne servent à rien du point de vue, si vous voulez, de l'effet quantitatif de l'économie d'énergie ou de pétrole, ou en tout cas très peu de choses. Mais ils servent à envoyer un signal aux politiques qui permet à celui-ci de se rendre compte qu'en fait, les gens sont prêts au changement et n'attendent qu'une seule chose, c'est que ces gestes qu'ils voudraient poser pour agir de manière responsable soit facilité, abordable, et ça c'est le rôle par excellence du politique. Moi je rêve d'éco-gestes qui soient concertés à une grande échelle pour envoyer un signal politique fort, par exemple que 4 millions de Belges disent cet été on ne prend pas l'avion. Et ce serait à mon avis infiniment plus fort que de marcher à 25 000 ou même à 150 000 dans les rues de Bruxelles. Ce serait une forme de désobéissance civile par rapport à l'injonction de consommer qui est celui de notre société de consommation. Donc
des éco-gestes qui se politisent et qui envoient un signal aux politiques pour que celui-ci accepte que sa responsabilité est d'accompagner et d'accélérer le changement plutôt que de simplement relayer ce qu'il imagine être des résistances en chef de la population. Une forme d'incarnation de l'expression voter avec ses pieds, là, pour le coup. On part en marchant et plus en prenant l'avion ou voter avec son thermostat. Bon, on va aller du côté des questions. Je propose peut-être que tous les participants nous rejoignent, comme ça ils ont accès facilement à un micro et on va prendre les questions au fil où elles se posent. Comment faire émerger un récit lucide, cohérent et enviable pour notre génération et les générations futures? Et comment faire en sorte qu'il émerge rapidement? Peut-être sur cette question-là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, peut-être Emmanuel Piccoli, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Hein. Donc je répète la question, comment faire émerger un récit lucide, cohérent et enviable, et faire en sorte qu'il émerge rapidement? Je voudrais rester sur l'enjeu de la fin de la question, parce qu'on a l'impression, évidemment, enfin, ce n'est pas qu'une impression, qu'il y a une urgence absolue là maintenant, et que construire ces nouveaux récits, ben, ce n'est pas quelque chose qui s'installe facilement. Vous avez parlé tout à l'heure, vous, de l'enjeu de la formation, de quelque part de la culture qu'on va construire, sur cet enjeu de la vitesse et de la rapidité. Oui. Bon, c'est une grosse question, mais il faut y aller, en fait. Donc déjà, ça, c'est la chose la plus importante, c'est de commencer, d'y aller, de pouvoir démarrer ça, que ça soit... Enfin, oui, voilà, ça aura la rapidité que ça aura aussi, hein. Mais je pense qu'au fait, c'est aussi sur la question des échelles. Je pense que c'est d'abord comment s'orienter individuellement comme petit groupe, reconstruire ses propres récits pour faire sens de la période qui arrive. Ensuite, à une autre échelle de communauté plus large. Et puis, justement, je voyais des questions sur la communauté universitaire aussi. C'est un lieu intéressant. On est combien? 40 000, c'est ça, j'y étais. Mais c'est un espace, c'est un lieu intéressant où peuvent aussi émerger à partir de moments comme ceci, des choses intéressantes, des récits qui se refondent, et puis de manière plus globale. Donc je pense qu'on peut aller rapidement au niveau individuel, au niveau des petits groupes, d'autres communautés, et puis c'est aussi une question d'échelle, en fait. Ces récits, moi, voyais quatre pistes qui permettent d'entrer en cohérence et de comprendre, c'est en tout cas comme ça que je le voyais, de comprendre et de voir vers où on pouvait aller. Et puis il y a des tas d'endroits d'où ils émergent, les cabanes, etc., également. Donc, il faut être attentif et puis suivre ça. Un petit mot peut-être de Véronique Bragard là-dessus. Parce que là, vous nous avez parlé tout à l'heure de ces récits de cabane. Il y a l'enjeu du rôle que la fiction aussi peut jouer dans la société. Est-ce que vous voyez là des choses qui bougent et qui font que peut-être d'autres récits deviennent possibles, émergent peut-être plus facilement ou autrement, parce que au niveau de la création et de la fiction, il y a des choses qui bougent? Il y a beaucoup de choses qui bougent. Maintenant, il faut qu'elles soient lues. Et quand je vois la question, c'est marrant qu'on met ça au singulier, alors qu'ici, on a eu plein de récits différents. Je crois qu'il ne faut pas les mettre dans le singulier. Mais les récits, c'est peut-être la spécificité humaine. C'est de pouvoir les imaginer. C'est l'unique chose qu'un robot ne fera pas, par exemple. J'aimerais qu'ils aient plus de place, parce que la littérature, elle est aussi un peu en voie d'extinction parfois, surtout au sein des institutions, au sein de l'enseignement. Donc voilà, là je pousse peut-être un coup de gueule, parce que c'est pas facile. J'ai l'impression qu'Olivier de Scutter a pris un micro. Une question à Véronique. Micro-Martil, oui, c'est Micro-Mart. Non, parce que beaucoup de ces récits d'utopie, à commencer par celui de Thomas More, sont des récits qui parlent d'une vision d'avenir, une société qui n'est pas la nôtre, mais qu'on pourrait dans laquelle on pourrait s'imaginer habiter. Mais ces récits souvent manquent un point essentiel, c'est comment aller d'ici à là. Et je pense que ces visions, du coup, risquent soit d'être dénoncées comme de pures chimères, de pures utopies, soit d'être simplement une diversion qui ne permet pas de décider quelles mesures on doit prendre ici et maintenant. Et je pense que ce qui manque souvent, c'est, de la part notamment du politique, c'est la gouvernance de la transition qui passe par un récit qui définit les étapes et qui dit, voilà, à l'horizon de 10 ou 15 ans, voilà ce qu'on doit avoir pris comme mesure. Et les petites mesures qu'on a ici adoptées ne font pas sens sans la vision d'avenir, mais en même temps, la vision d'avenir n'a aucun sens sans ces petites mesures.
En quelque sorte, la transition, ça relève plus de la musique que de l'architecture. Ce n'est pas une question de grande vision, c'est une question de notes qui se succèdent et qui ensemble forment une harmonie. Mmh. Je pense donc, au-delà des utopies, pour vous, il faut aussi un récit qui construit quelque part les différentes étapes progressives qu'on doit franchir dans cette transition. Et c'est une manière d'encourager les pionniers, celles et ceux qui s'engagent. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Véronique Braguer. Mais je crois que ce serait trop facile si les utopies avaient déjà toutes les solutions. Mais je crois qu'elles sont quand même remplies d'idées qu'on a oubliées. En religion écotopia, les médecins peuvent aider les infirmiers, et les infirmiers qui aident les médecins. C'est quelque chose qui... Ben, on y pense maintenant avec la crise Covid, mais c'était 1975. Donc il y a plein d'idées là-dedans. Maintenant, c'est vrai que les mettre en pratique, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est ça tout le challenge aussi. On va avancer dans les questions, parce que là, on était toujours sur la première. Quelle serait la place des métiers liés à la surconsommation, l'industrie des énergies fossiles, le lobbying, la publicité, dans une société à 2 tonnes d'émissions de CO2 par an et par personne? Peut-être pour Francesco Contino. merci. L'industrie des énergies fossiles, le lobbying et la publicité. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là, par exemple, de la place de la publicité dans un monde où on va devoir consommer moins, alors que le principe même de la publicité est de susciter chez nous de nouveaux désirs qui vont nous faire consommer plus. Est-ce qu'on a une réflexion aussi sur ça aujourd'hui quand on pense sobriété? Oui, quand j'écoute un très chouette podcast Déclic le tournant, quand je me connecte sur la plateforme Ovio, avant d'accéder au podcast, j'ai 30 secondes de pub. Et en fait, je commencerai par là. Arrêtons la pub. Et effectivement, ça entraîne toute une série de choses pour les métiers, et je ne suis pas du tout expert pour savoir comment faire la transition de ça. Je pense qu'effectivement, il y a tout un récit par rapport à ça qui est important pour amener à la transition. En fait, on regarde, nous, de manière très modeste, comment on peut faire une transition du système énergétique. Plusieurs chercheurs, d'ailleurs, qui sont dans la salle, qui regardent ces questions-là, mais évidemment, on se pose plein de questions par rapport à ce que ça veut dire de passer d'une économie carbonée à une autre économie. On a parlé beaucoup de ça avec le nucléaire également. Sortir du nucléaire, ça veut dire plein de savoir-faire qui disparaissent, plein de personnes qui se sont formées à ces métiers et qui devront se reformer. Et je peux imaginer, si on me dit demain, ben c'est fini ton métier. Terminé, tu vas aller bêcher. Ben, je pense que j'embrasserai cela avec beaucoup de plaisir. Hein. J'aime bien la nature, mais c'est quand même, ça questionne quand même mon existence et ce pour quoi je me suis formé. Donc c'est vrai que ça fait peur. Mm-hmm. Je peux comprendre. Je ne réponds pas vraiment à la question. Ah non, c'est une réponse quand même. Ça m'intéresse d'entendre Valentine, peut-être du côté de Youth for Climate, sur ça, sur cet enjeu de la publicité. Est-ce que vous, demain, le monde que vous imaginez pour être à la hauteur des enjeux, c'est un monde où par exemple, il n'y a plus de publicité? Ça dépend de la publicité. Pourquoi? Je pense que et ça dépend de la publicité dans quel intérêt. Si c'est de la publicité qui force à consommer, effectivement, je pense qu'elle n'a plus sa place dans le monde de demain. Mais non, ça dépend sous quelle forme aussi. Je pense que promouvoir des belles initiatives ou promouvoir ce qui est bon pour le monde de demain, c'est pas exclu. Mais effectivement, la publicité comme on la connaît et dans son sens plus large de promouvoir la consommation, on n'en aura absolument plus besoin, c'est sûr. À repenser, donc, fondamentalement. Troisième question, l'université dans sa forme actuelle est-elle vraiment aujourd'hui le meilleur endroit pour insuffler une véritable transition? Question peut-être pour Alex du côté de l'AGL. Est-ce qu'elle est à la hauteur, cette université, par rapport à cet enjeu de la transition? On va tout de suite un petit coup d'œil vers le recteur. On fait comme s'il n'était pas là. Hein, okay. Et vous nous dites franchement. Donc, on a l'image de l'université comme étant un lieu d'innovation, de recherche, et aussi pour nous en tant qu'étudiants, c'est un lieu où on nous enseigne, où on apprend. Et donc, dans sa forme actuelle, je pense qu'il y a encore un certain travail à apporter, mais on est sur la bonne direction, je pense, déjà, avec une certaine... Bonne réponse politique, déjà, pas mal. Si je peux soulever justement un point, on l'a mentionné, donc la transition passe par l'enseignement. Et aussi, on a souligné le concept d'échelle. On a différentes échelles. Et l'avantage, justement, dans les différentes instances qu'on a au sein de cette université, c'est que les étudiants, les étudiantes sont écoutés. Mmh. Et donc, on a notre mot à dire dans cette transition écologique et dans les changements qu'on peut apporter, justement, au sein de l'université. On pense fortement au plan transition et à l'axe de l'enseignement avec tous les programmes qui
auront des cours en développement durable. Justement, donc je me permets de le mentionner. Mmh. Voilà ma réponse. Voilà, et on entendra Martin Sims d'ailleurs dans un petit instant pour conclure hein, cette conférence. J'imagine qu'elle aura sans doute aussi un mot sur ces enjeux-là. Emmanuel Piccoli, vous en parliez vous tout à l'heure de cet enjeu aussi de l'éducation. Alors, tantôt on s'était arrêté sur cette histoire des classements, mais plus fondamentalement sur le rôle que l'université peut ou doit jouer par rapport aussi à cette idée de faire émerger de nouveaux récits. Vous la voyez comment, cette place, vous, de l'enseignement universitaire là-dedans? Et beaucoup de choses. La question, c'était de savoir si c'était le meilleur endroit. Mais ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un endroit tout à fait extraordinaire parce qu'on a la possibilité d'avoir des dynamiques qui traversent donc un groupe de 40 000 personnes ici. Et puis, il y a d'autres universités, évidemment. Il y a des échanges entre des facultés, entre des professeurs, entre des étudiants. Il y a toute une dynamique de côte à projet. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un endroit où il se passe beaucoup de choses. Oui, je pense vraiment que l'enseignement est un lieu où on peut justement, pour moi, essentiellement, vraiment croiser des choses et re-raconter des récits autrement qui vont beaucoup plus intégrer comme on le fait ici, comme on croise nos sciences, etc. Parce qu'il y a ça, l'idée de faire tomber des cloisons, peut-être d'ouvrir des choses encore beaucoup plus transversales pour penser... Et alors, c'est vraiment en cours. C'est-à-dire on a énormément d'échanges entre facultés pour venir dans des cours, etc. Il y a encore beaucoup, beaucoup à avancer, mais il y a beaucoup de choses en cours. Et c'est évident qu'aujourd'hui, la biologie ne peut plus du tout autant séparer. Enfin, je veux dire, on aborde les écosystèmes. Les choses se métissent déjà beaucoup. Et donc, c'est vraiment un lieu où on peut continuer ça. Et je pense qu'il y a vraiment à le faire de manière à ce qu'on puisse transmettre une connaissance plus complète, plus complexe, qui aide à mieux appréhender la réalité, qui aide à mieux appréhender les défis qui arrivent, en fait. Mmh. Ouais, je pense que c'est un bel endroit pour faire ça. On va poursuivre dans le déroulé de nos questions avec celle-ci. Comment passer de notre récit capitaliste et consumériste, où l'argent est au centre, à un récit plus soutenable, où notamment l'équilibre, le respect, la justice et la coopération seraient centraux? Question peut-être pour Olivier de Scuter. Merci Arnaud. Non, je crois que la question est très importante, parce qu'au cœur de la difficulté qu'on a à changer, il y a une certaine représentation du bonheur qui voit celui-ci comme étant le résultat de l'expansion des possibilités de consommation, notamment matérielle. Et le plus est toujours vu comme le mieux. Et en fait, ce n'est pas vrai. Les études, notamment de psychologues, nous montrent que c'est une source de souffrance que de ne pas réussir à choisir tant la gamme des choix s'étend. Aujourd'hui, une frustration majeure des gens, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps libre pour faire tout ce qu'ils pourraient faire avec le pouvoir d'achat qui est le leur. Ils ne savent plus quelle ville visiter, etc. Et donc, plus n'est pas toujours mieux. Et les véritables sources de bonheur ne se situent pas dans l'accumulation du toujours plus. Elles se situent dans des joies plus simples qui ne sont pas de l'ordre de la consommation, qui sont plus de l'ordre de l'échange, de la solidarité, de la qualité des liens sociaux que l'on tisse, mais que le couple travail-consommation auquel je faisais référence tout à l'heure retrécit le champ. Donc c'est, je crois, très important. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on ne peut pas parler de transition sans parler aussi de spiritualité, de valeurs que l'on entretient et de liens sociaux, et que la transition, et évidemment Francesco va me confirmer cela, n'est pas une question purement technique. Ce n'est pas juste une question de choix de bons matériaux ou de bons ingrédients. Donc cette dimension spirituelle me paraît extrêmement importante. Mmh. J'imagine que Francesco confirme sur ce plan-là. Oui, hein. Je confirme. Il y a une toute dernière question qui était juste là, et je trouvais que c'était pas mal de la poser à Olivier de Scuter. Comment changer la loi pour forcer les politiques à mener des actions éco-responsables en accord avec les ressources de notre planète? Vous êtes juriste. Est-ce que l'enjeu de l'état de droit, de ce que la justice peut amener, est-ce que c'est un levier qui est insuffisamment actionné aujourd'hui, qui va avoir une place plus importante dans le futur si on veut avancer plus vite et être à l'auteur? Les politiques, en fait, ont deux grands outils à leur disposition pour changer les comportements. Il y a la règle juridique, la peur de sanctions, etc. Et il y a les incitants économiques, les taxes et les subsides. Et
Et cependant, pour des changements durables, ces deux outils sont insuffisants. Pourquoi ? Parce que ce sont des injonctions que l'individu reçoit de l'extérieur. Il réagit toujours en voulant préserver sa liberté, en contournant la règle, en payant le moins de taxes possible, en essayant d'échapper à la sanction. Et une fois que la menace de sanction n'est plus là ou que la taxe n'est plus à payer, on retourne à ses routines d'avant, etc. On n'est pas vraiment motivé. Le défi pour les politiques aujourd'hui, c'est de créer l'envie de faire les choses sans la crainte de sanction, sans l'incitant économique, à travers ce qu'on peut appeler une sorte d'autodétermination de l'individu par la mise en avant des motivations intrinsèques à cet individu. Mmh. C'est ce que montre la psychologie sociale. Donc, moi, je suis juriste, mais je suis très conscient des limites de ce que le droit peut faire en termes de changement de comportement. D'où cet enjeu aussi de travailler et de parler aujourd'hui de l'enjeu des récits. Je pense que le fait qu'on était déjà passé à la slide suivante est une façon subtile de me signaler qu'il faut tout doucement en rester là. Je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez bien à lire jusque tout dans le fond, quelles ressources vous ont positivement mobilisé pour la transition. Donc c'est l'idée un peu d'une espèce de partage d'expériences de sources surtout, hein, au niveau des livres, au niveau de films, documentaires que vous auriez vus, au niveau de podcasts, au niveau d'ateliers et d'événements. S'il y en a, n'hésitez pas à les mettre et on va laisser s'afficher derrière moi ici. Et puis on réaffichera ça d'ailleurs une fois que la conférence sera tout à fait terminée. Comme ça, vous pourrez prendre des petites notes si vous le souhaitez. Je vais en profiter, moi, pour remercier déjà tous ceux qui se sont exprimés ce soir du côté des quotas projets, du côté de l'AGL et de Yours for Climate, tous ces étudiants qui ont pris le temps de fédérer aussi les énergies dans leur code pour vous amener ces récits-là. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. D'accord. Voilà. Il y a une petite annonce d'ailleurs pour tout à l'heure. Je m'en souviendrai. Merci aussi aux professeurs, aux académiques qui ont aussi pris le temps de construire ces interventions ce soir. Je pense qu'on peut aussi les applaudir. Je vois que les sources... Les sources sont en train de se multiplier et vous pourrez continuer encore à alimenter la liste et puis en prendre des petites photos, peut-être avec vos smartphones. Mais je vous propose d'accueillir, pour terminer, pour le mot de conclusion, Marthe Nissens, qui est donc la prorectrice, on en parlait déjà tout à l'heure, en charge des questions de transition et société. Merci à vous. Merci Arnaud de me passer la parole. Alors je vais être courte, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses je pense à laisser descendre dans les jours qui viennent. J'ai entendu parler d'utopie. J'ai entendu parler aussi de crainte par rapport à l'avenir. J'ai entendu parler de l'urgence d'intégrer les limites planétaires dans notre quotidien. Et j'ai surtout entendu parler qu'il faut se mettre en marche. Et donc, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien marcher. Et donc, je pense que pour l'université, se mettre en marche par rapport à la complexité de ces défis est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute un peu les médias, les débats, on peut, de manière assez schématique, isoler trois types de positions. Alors, je vais revenir sur la cabane, Véronique. Il y a le syndrome de la cabane. Et tu l'as dit, c'est parfois important de se retirer dans sa cabane pour écouter, se ressourcer, mais il y a aussi un danger. Un danger en se retirant sur sa cabane, se disant, de toute façon, c'est l'effondrement qui nous attend et on va essayer de se préserver des effets délétères. Et donc d'un certain isolement. Une deuxième position, c'est celle de suivre les vents dominants. Et la société, elle bouge. Et l'université est traversée par ces vents dominants. On parle aujourd'hui à l'université de sobriété énergétique. Je peux vous dire que ce débat était plutôt un débat pour les initiés à quelques mois, alors qu'aujourd'hui, chacun et chacune à l'université et aussi dans nos domiciles respectifs, nous parlons de sobriété énergétique. Et donc les choses bougent. Et puis, on peut choisir aussi d'être à l'avant-garde. Et je dois vous dire que personnellement, suivant les heures de la journée, suivant le type de réunion, je suis traversée par ces différents mouvements. Parfois, j'ai envie de me retirer dans la cabane. Et pourtant, je suis convaincue que collectivement, nous avons le potentiel dans l'université de mobiliser nos énergies pour être à l'avant-garde des questions de la transition.
Alors pourquoi nous avons ce potentiel? D'abord parce que nous avons des étudiants et des étudiantes, et je suis vraiment heureuse de les voir ce soir. Quelle chance nous avons d'avoir, monsieur le recteur, plus de 30 000 étudiants. Quelle responsabilité nous avons. Et bien sûr, enseigner les défis de la durabilité, c'est vraiment quelque chose d'abord de compliqué, mais aussi une responsabilité parce que vous êtes les acteurs et les actrices de demain. Nous sommes une université de recherche et nous en sommes fiers, avec une expertise scientifique à la pointe. Ce soir, on a vu une anthropologue, une spécialiste de la littérature anglaise, un ingénieur en énergie, il a dû prendre son train, un juriste spécialiste des droits humains. Je pense que ce soir, on a aussi mesuré la complexité des défis. Quand j'écoutais ces utopies, parfois je me disais, bon Dieu, comment on va faire? Travailler à mi-temps, certes, mais comment on va financer notre sécurité sociale? Comment on va financer notre université? Ce sont vraiment des défis complexes. Et donc nous avons la chance dans notre université d'avoir un vivier tout à fait incroyable d'expertise qui peut être mobilisé pour créer cette intelligence collective. Et puis vous êtes ici à Louvain-la-Neuve, dans un des plus anciens auditoires, qui a été rénové d'ailleurs récemment, et vous pouvez l'expérimenter. Il y a 50 ans, ici c'était des champs. C'était des champs, et nous avions un groupe de personnes, je l'ai déjà dit dans d'autres endroits, beaucoup d'hommes, qui ont eu l'audace de penser et de mettre en action un nouveau campus et une nouvelle ville qui puisse tous nous accueillir. Et quelle audace ils ont eue. On va fêter nos 600 ans dans quelques années, et j'espère qu'en fêtera nos 650 ans, je ne serai plus là, on pourra dire, et les étudiants l'ont dit ce soir, que nous aussi, nous avons pris nos responsabilités par rapport à ces questions de transition. Je pense que, comme université, comme organisation non marchande, financée par l'impôt, par la contribution de chaque citoyen, nous avons une responsabilité par rapport au bien commun qui est très importante. Et donc, collectivement, et en nous serrant les coudes, parce que parfois, on a envie de se retirer dans sa cabane, oser avoir l'audace de faire les choix pour transformer nos programmes, pour faire avancer les connaissances, pour mieux comprendre la complexité de ces défis et transformer profondément notre campus. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier ce soir parce que je pense qu'il est important de recréer des récits. C'est très important, cette pluralité des récits. Et je voudrais terminer par un philosophe que vous avez certainement lu ou entendu, c'est Bruno Latour qui vient de nous quitter, qui dit la chose suivante. Même si on n'a pas le temps, on doit le prendre. Le temps pour comprendre ce qui nous arrive, à nous, terrestres, sous notre unique planète, sur cette zone critique, la seule dont l'espèce humaine dispose. C'est la même sur laquelle nous devons atterrir en y garantissant les conditions d'habitabilité pour nous et pour nos enfants. Nous sommes tous en migration vers des territoires à redécouvrir et à réoccuper. Et si ça, ce n'est pas un défi pour l'université qui veut ouvrir les portes d'un horizon qui soit vivable pour tout un chacun, c'est sans doute l'horizon le plus désirable pour l'université. Et donc vraiment, je remercie chaque acteur, chaque actrice, chaque personne qui a osé prendre le micro ce soir pour réinventer ensemble ces récits collectifs. Voilà, merci de votre présence. Voilà, à 20 minutes près, on aura tenu les timings. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon retour chez vous et de bonnes discussions et réflexions sur base de tout ce qui a été semé ce soir. Belle soirée. Je peux vite Ah oui, vas-y. Vas-y. Ça tient encore, ça ne marche plus. Vous avez coupé. Une dernière chose pour ceux qui sont encore là. Je retire 30 secondes ma casquette de Youth for Climate et je mets celle de mon quota projet parce que je pense que ça rentre aussi dans le cadre de ce soir. On organise la semaine prochaine un décryptage du dernier rapport du
du dernier volet du rapport du GIEC. Voilà, on a pris le temps de le comprendre, de le lire pour mieux en comprendre les enjeux et on vous invite à vous inscrire sur notre page Facebook Cap sur l'avenir. Voilà, merci beaucoup.